Turkish Airlines Europe. I feel devotion. In support of Special Olympics. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre au Spirou Dôme. C'est Joseph Gomis qui reçoit aujourd'hui, ses anciens potes de l'Unicaja Malaga, où il a joué pendant 2 saisons. Et puis vous voyez même que Roderick Blackney connaît André Riddick. On avait quand même un certain plaisir à se retrouver. On est déjà, mon cher Marc, dont c'est la première ici sur ce plateau. Tout à fait, Pierre. Que tout se passe au mieux, Marc. Merci. Ce sont déjà les matchs retour de cette... On entame la phase retour de l'Euroleague et Malaga, c'était le premier match donc des Spirou. Ils ont bien mené leur barque pendant 3/4 temps et puis bon, ils se sont laissés un peu aller dans le dernier. Espérons que cette fois-ci, ça va aller un peu mieux. Et vous vous souvenez où ils avaient eu mal, nos amis Spirou, parce qu'il y avait un secteur où on avait quand même été en grosse difficulté. Hein. Principalement à l'intérieur. Hein. Je crois que l'armada des grands joueurs de Malaga ont fait mal et notamment un joueur en particulier qui avait une évaluation superbe, mais qui depuis lors s'est un peu éteint. Voilà, Ruben Rubio, on va sans doute avoir quelques images de lui. Ruben Rubio et Joel Freeland, c'était les deux hommes qui avaient vraiment fait très mal à cette équipe du Spirou. Mais on va d'abord, on va nous parler d'abord de Christophe Beguin. Christophe Beguin qui voulait nous dire un tout petit peu à quel point il estimait cette rencontre importante. Ça va être peut-être le match le plus important justement dans cette Euroleague. Ça va être ici jeudi contre Malaga. Et je crois qu'on doit, vraiment un petit peu oublier comment ça s'est passé justement contre Madrid. Penser que ça va être tout à fait un autre match. Et voilà, à partir de dire, voilà, on a fait un très beau match chez eux, je pense. Pendant 30 minutes, on a un peu craqué justement sur la fin. Et essayer de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de pouvoir disputer vraiment un match complet pendant 40 minutes. Et je crois qu'on a toutes nos chances. Oui, il va falloir avoir le bon mental pour pouvoir affronter cette équipe de Malaga. On se souvient maintenant en image de ces deux hommes qui avaient fait particulièrement mal lors du match aller. Ruben Rubio, c'est un castard, c'est un double maître qui joue à l'intérieur, plutôt poste 4. Oui, en poste 4 et comme vous avez dit, une évaluation de 28, c'est vraiment un très grand match qu'il a fait au match aller. Et... 22 points hein, qu'il oui. avait marqué, en ne ratant quasiment rien. Et puis l'autre homme fort, c'était cet homme-ci, mais lui, c'est quelqu'un qui est régulier. Il est dans toutes les statistiques, hein. On peut le voir au rebond, on peut le voir en attaque, on peut le voir partout et donc très régulier, constant. Avec à peu près 24-25 minutes de jeu, ce qui veut dire qu'il y a une autre donnée du côté de Malaga, c'est qu'on tourne beaucoup. Alors comment va-t-on jouer cette équipe? Eh bien, on va tout de suite en avoir quelques informations en bord de terrain. Oui, bonsoir à tous. Aux côtés du coach Giovanni Bozzi. Giovanni, on l'a souligné, le secteur intérieur de Malaga avait fait très mal au match aller. Ça veut dire que c'est là que se joue le match encore ce soir? Certainement, il y a ce secteur intérieur, mais j'ai envie de dire qu'il y a d'abord un gros point. C'est comme dans tous les matchs d'Euroleague, d'abord, c'est de ne pas être trop dominé au rebond pour ne pas donner des paniers faciles, ne pas leur donner des paniers faciles de transition, toujours dans cette optique, pousser cette équipe de Malaga qui est une équipe typique du basket espagnol, qui joue beaucoup sur la vitesse d'exécution, donc les pousser à jouer à basket demi-terrain. Ça, c'est la première grosse clé. Après, on pensera alors à corriger ou adapter certains points, mais c'est sûr que essayer de fermer un peu plus la raquette en acceptant sans entendre un shot à distance et en acceptant surtout, en espérant plutôt que Malaga ne shotte pas trop bien, c'est une des clés également. Alors cette équipe aussi de Malaga, elle a changé depuis le match aller. Il y a un nouveau distributeur, il y avait des joueurs blessés qui sont de retour. Là aussi, ça change un petit peu l'équilibre. Oui, mais comme toute équipe espagnole, elle monte de régime. Vous savez, quand vous avez la chance de les jouer tout au début de l'Euroleague,
leur nation, c'est-à-dire l'Espagne venait de jouer le championnat du monde, donc tout ça fait qu'il leur faut un peu de temps d'adaptation, ils commencent tout doucement, donc cette équipe elle est beaucoup plus forte. J'espère que les Spirou aussi l'ont montré la semaine passée. Donc savoir jouer contre leur intensité défensive sera certainement une deuxième grosse clé. Parce que vous allez voir, c'est une équipe qui prend très haut, qui joue beaucoup dans les lignes de passe, qui est très très agressive. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes ces pertes de balles pourraient provoquer également des paniers faciles qu'on devra absolument éviter. Et continuer à pouvoir jouer notre basket offensif sera très important. Merci Giovanni, complet comme d'habitude. Oui, en effet, on va découvrir peut-être un peu ces quatre nouveaux visages de ces trois joueurs blessés, ce nouveau distributeur. Lui, c'est Carlos Jiménez, c'est un des plus beaux palmarès du basket espagnol. Il était du championnat du monde 2006, il était des JO 2008. Maintenant, il est un petit peu plus âgé. Il a eu longtemps sa carrière du côté de l'Estudiantes. On est avec Saúl Blanco. Saúl Blanco, il vient de Fuenlabrada, donc il monte un tout petit peu de niveau avec cette équipe de l'Unicaja Malaga, mais il est tout de suite dans la rotation, tout comme les Panchi Barrera, international uruguayen qui avait commencé en deuxième division espagnole. Il est retourné dans son pays, il a pris sans doute un tout petit peu de bouteille et le voici, le voilà dans l'équipe de base. Alors que celui-ci, c'est un Américain, Roderick Blackney, il remplace Terrell McIntyre. C'est pas du tout le même style que McIntyre, il prend beaucoup moins de ballons, il les donne aussi beaucoup plus, mais attention, il est très précis Marc. Hein. Très précis, un shot superbe et avec un très grand pourcentage, donc il faudra vraiment faire attention à lui derrière la ligne, aussi bien des 3 points que à 2 points. Alors lui c'est un monument du basket espagnol, c'est Eito Garcia Reneses, il a 63 ans maintenant, il était le coach de l'équipe nationale quand elle va faire ce match exceptionnel de finale des Jeux Olympiques en 2008, il a tout gagné, il a été à Barcelone pendant très 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 longtemps. On s'intéresse à l'équipe du Spirou, on va tout de suite donner la parole à cet homme-ci, Justin Hamilton, qui va nous dire comment lui va apporter sa petite pierre au succès, entre guillemets, d'aujourd'hui. En particulier dans cette équipe, mon rôle consiste à défendre. On attend que je développe une grosse agressivité en défense, un secteur déterminant, car quand l'attaque ne tourne pas, la défense vous maintient dans le match. Notre équipe compte beaucoup de marqueurs. Il faut assumer donc d'autres tâches utiles à la victoire et c'est en défense que je suis le plus efficace. J'exerce ce rôle depuis le collège. J'ai toujours beaucoup investi en défense. On peut donc dire que j'ai eu ce profil durant toute ma carrière. Il faut parfois se montrer plus intelligent ou plus rapide pour compenser un manque de taille. Tout dépend du profil de son opposant, mais le plus important consiste toujours à rester devant lui. Beaucoup de gens n'apprécient peut-être pas ce rôle à sa juste valeur, mais il exerce une influence capitale. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la défense qui gagne les titres. La seule chose qui m'importe, c'est la victoire. Cela a toujours été mon moteur. Tant que mon équipe gagne, je suis épanoui. Et comme nous avons déjà laissé passer quelques opportunités, il faut maintenant saisir notre chance. Voilà, un défenseur, c'est important dans une équipe. Il faut aussi des créatifs, hein. Il faut aussi des gens qui sont capables de déstabiliser l'adversaire. Bien sûr, Pierre, hein, Hamilton le dit très bien, on peut jouer en défense, mais à côté de ça, il faut quand même avoir une attaque très solide. Les Spirou l'ont, ils peuvent le faire encore aujourd'hui, mais ils doivent jouer sur leur jeu rapide et évoluer tel qu'ils le font et tel qu'ils l'ont fait en tout cas contre le Real Madrid. Alors pour y arriver, il faut évidemment avoir de bonnes nouvelles de Joseph Gomis. Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles, Stéphane ? Eh bien, on en prend directement chez le médecin Alain Petit. Bonsoir. On vient prendre des nouvelles de Joseph Gomis qu'on avait quitté avec une élongation aux ischios. Alors qu'en est-il ? Est-ce qu'il est capable de jouer aujourd'hui ? Il est capable de jouer aujourd'hui. Tout a été une question de gestion pendant la semaine. J'espère qu'il tiendra le coup seulement parce que les blessures musculaires posent toujours un problème au niveau de la récupération. Alors il y a un joueur qui fait son retour plutôt au sein de l'effectif, Christophe Beguin, qui s'est entraîné cette semaine, mais quelquefois c'est trop court encore pour la lignée. C'est trop court encore pour la lignée, en tout cas en Euroleague. Il est prêt maintenant à s'entraîner avec le groupe, mais il n'est pas encore prêt à supporter une charge de travail 100%. Merci beaucoup Alain. Voilà, Gomis, petit souci d'élongation la semaine dernière, il reprend aujourd'hui. On est comment dans sa tête, Marc, quand on a cette petite inquiétude quand même, non ? Oui, mais je crois que le staff médical des Spirou travaille très très bien, ça on en est certain. Et ils font tout pour que les joueurs soient au top à chaque rencontre. Maintenant ici, c'est vrai qu'on a quand même un peu ça dans la tête, donc espérons qu'il n'y ait pas de rechute en tout cas aujourd'hui pour Gomis. Ok, ben voilà donc les nouvelles du côté du Spirou. Pour le reste, ben on va s'appuyer évidemment sur
un secteur offensif et notamment intérieur qui a été revigoré par non seulement la présence de Santiago, mais aussi par les performances assez éblouissantes d'André Riddick. André Riddick est toujours présent. Hein. Il n'avait pas nécessairement fait un bon match justement contre Malaga au match aller. Mais depuis lors, il est monté vraiment en force et il sera certainement encore présent ce soir. Allez, on va assister à la présentation des équipes dans un Spirou Dome qui n'est pas encore trop bien garni, mais on commence quand même à voir le public qui entre dans la salle. Et on va avoir cette présentation de cette équipe de l'Unicaja Malaga. Un bloc de 12 joueurs avec aucune faiblesse dans ce noyau-là, ce qui veut dire que le coach, même s'il a un joueur qui est un petit peu moins performant, il n'y a pas de souci, hein, il peut aller chercher des remplaçants. On parlait du secteur intérieur avec Freeland et Rubio. Il ne faut pas oublier Archibald, hein, qui est ce joueur écossais de nationalité qui joue aussi à l'intérieur. On annonce Freeland et Archibald justement légèrement souffrants. Et bien alors derrière, on aura peut-être l'occasion de voir ce jeune Lima qui est un joueur à haut potentiel et qui pourrait lui aussi, et alors qu'il est au dunk pour l'instant, mais vous êtes avec d'autres joueurs à l'image, et bien lui aussi pourrait venir supplier son équipe. On va voir une présentation de 2-3 minutes avant cette rencontre qui est liée à un mouvement que l'Euroleague patronne depuis 2-3 saisons déjà, qui est ce partenariat avec le Special Olympics. Et donc vous voyez tous les joueurs qui portent un t-shirt particulier et on devrait avoir quelques mots de la bouche d'André Riddick, logiquement. Avec la présentation de l'équipe d'Unicaja, numéro 5, number 5, Bernie Rodriguez. Allez, la présentation des joueurs. Bernie Rodriguez, vieux de la vieille, 12e saison dans cette équipe. Oscar Freire, qui est un jeune formé dans l'équipe aussi de Malaga. Printezis. Panchi Barrera, l'Uruguayen, on en a parlé un tout petit peu. Jiménez avec le numéro 10. Stripkovic, il vient du Partizan Belgrade. Blackney, il a joué beaucoup en Grèce avant de se retrouver ici du côté de Malaga. On a présenté Rubio, Lima, Freeland, Archibald. Et un des derniers venus, Saul Blanco. Et avant la présentation du Spirou Basket, on vous dira que Brose joue Roma. Et le match vient de commencer il y a quelques minutes. Ils ont donc un quart d'heure d'avance sur nous. Et à 20h45, le Real Madrid accueillera l'Olympiakos. Donc le groupe B est en action ce soir en Euroleague. Voilà, Daniel Santiago, dont on a vu qu'il avait accueilli sa famille, ce qui doit toujours faire du bien. Oui, on a vu tout à l'heure quand il est arrivé, il était avec son petit bonhomme dans le vestiaire. Belle petite image. Je signale que le match est passé.
pour votre hommage, organisez votre hommage aux Special Olympics. Les joueurs de Spirou d'ailleurs portent et les joueurs de Wenger portent. Voilà la cérémonie consacrée aux Special Olympics. Des Olympiades pour les personnes différentes. Wenger demande bien sûr plus d'intégration, plus de compréhension. Ce sont des sportifs comme les autres et le match est placé en leur honneur ce soir. D'accord. Je signale que des lacets sont mis en vente. Bien. Portez ces lacets pour faire. Je pense qu'on va en rester là, donc, dans cette petite cérémonie. Sont à votre disposition dans les travées du stade. Les joueurs vont se saluer, se congratuler, et puis on va partir. Mais c'est vrai qu'il reste un peu moins de 3 minutes avant le début de cette rencontre. Un Spirou qui a l'habitude de bien entamer les rencontres d'Euroleague. On se rappellera qu'au match aller, ils avaient même été époustouflants, menant 3 à 20. Avant de devoir revenir très très rapidement cette équipe de Malaga. La confirmation avec les tableaux. Le 5 de base. Archibald et Printezis dans le 5. Rodriguez, Blanco et Blackney en backcourt. Une équipe de Malaga qui est à 3 succès pour 2 échecs. Les 2 échecs, c'est face aux 2 ténors, logiquement, le Real Madrid et l'Olympiakos. Mais ils ont été gagnés à Bros Basket, ce qui est un résultat très très important, évidemment, en réalisant notamment un excellent quatrième quart-temps. Et ce week-end, dans un match également délicat, ils ont été gagnés à Menorca en Espagne, 57-58. Et le coach Eito, en parlant de la rencontre d'aujourd'hui, disait à quel point le mental allait être essentiel et il attendait de son équipe, même si elle est considérée comme supérieure à l'équipe du Spirou, d'avoir le mental suffisamment humble pour être concentré pendant 40 minutes et être capable de mettre son énergie physique au même niveau minimum que celui de Charleroi. Il est clair de toute façon que même s'ils ne les ont pas pris au sérieux dès la première rencontre de l'Euroleague, en tout cas maintenant ils peuvent prendre les Spirou Charleroi très au sérieux, mais non seulement suite à la victoire des Spirou de 19 points la semaine dernière contre le Real Madrid, mais également sur le parcours qu'ils font actuellement. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore gagné beaucoup de matchs, mais qu'ils sont chaque fois présents. Voilà, et du côté du Spirou, il va falloir voir. Aujourd'hui, il y a un enjeu quand même, parce que si on gagne, on revient dans le coup pour le top 16. Contre Madrid, on était tellement loin. Important. Voilà. Le match est important. Hein. C'est vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Beguin, match très important, un tournant sans doute dans le reste de l'Euroleague pour le Spirou. Et le match doit être absolument vécu à du 200% du début jusqu'à la fin. Robert Archibald. Voilà un homme pour Daniel Santiago. Ce sera un réel duel à l'intérieur de la raquette, hein, entre les deux hommes. On devrait avoir Printezis et Wright, logiquement, qui devraient se retrouver l'un en face de l'autre. Mallett va s'occuper de Blackney. Ils ont la même taille, donc là, ce sera identique. Et puis après, on va avoir comme d'habitude Hamilton et Gomis. Et qui va prendre Hamilton? Qui va-t-il prendre? Blanco, vraisemblablement. Bernie Rodriguez serait pour Gomis. Alors les deux numéros 5 face à face. Allez, c'est parti, sixième rencontre. Le Spirou en quête d'un deuxième succès dans cette Euroleague. Et un premier ballon contesté, mais obtenu par le Spirou. Premier ballon, Gomis. Bonne défense de Rodriguez. Le shot est un peu court. La récupération, Blanco.
Saul Blanco qui donne à l'intérieur. Immédiatement, on va travailler l'intérieur. Archibald, très mobile. Une bonne défense. Hookshot à l'intérieur, manqué. Très bonne défense de Santiago pour l'instant. Edging, on retrouve Wright. Il n'a pas pu donner à l'intérieur sur Santiago. 7 secondes pour attaquer. Création. Et Mallette au 3. Et Mallette qui marque. Très bonne pénétration. Et un caviar à 3 points. Et pour Mallette, bah, la série continue. Hein. C'est le 25e match consécutif. Où il met un 3 points. C'est la plus longue série en cours. Il continue en effet. Bon, bah, oh, dommage. J'ai bien cru pourtant qu'il avait le ballon. Elle est sifflée. Elle est sifflée, Brent Wright. C'est dommage. On peut voir l'action ici. Oui, il touche le bras, mais ça va vraiment très, très vite. Très bon rebond de Santiago et contre-attaque pour Gomis. Avec Rodriguez qui empêche la pénétration. La balle en triangle, c'était difficile et Wright n'a pas pu conclure. Mais la créativité était là, hein, c'était bien joué. Avantage de taille pour Printezis. On ne l'a pas donné deux fois, maintenant on lui donne. Il donne bien à l'intérieur. Bonne défense de Santiago sur Archibald qui se plaint de l'arbitrage. Très bonne défense de Santiago qui était d'abord dans un premier temps venu aider sur la pénétration, sur la passe qu'on avait donnée à l'intérieur et puis qui était retourné sur son homme pour le bloquer. Et très bien joué en défense. Printezis Wright, Blanco. Et offensive. Et voilà, on vient de rouspéter près de l'arbitre. Et puis un petit coup de coude et on prend une offensive. Et un début de match un peu difficile pour le grand Robert Archibald. Entreprenant mais pas en réussite. Emprunté on va dire dans un premier temps. Et donc à voir dans le reste du match évidemment. Et pour la première fois le coach Garcia Reneses qui se lève. Santiago, un peu court, dommage. La transition avec une passe qui arrive vers Printezis. Mallette. Mallette qui crée, Mallette qui passe et qui conclut brillamment. Les Spirou doivent créer comme ils le font très bien depuis quelques temps maintenant. Et Mallette vient de le faire à merveille une nouvelle fois. Et tout simplement, l'ouverture était là, il y va. C'est comme ça que le Spirou doit jouer pour essayer de contrecarrer l'offensive et la défensive aussi de Malaga. On est sur Archibald, les écrans qui se multiplient. Rodney Blackney, pas moyen d'avoir le ballon. Ici la création pour Saul Blanco, le bon jump shot après dribble et après écran. Après écran surtout aussi, hein, mais très bonne défense quand même malgré tout de Charleroi pour l'instant. Hamilton, Edging, Wright, Wright, qui attire deux hommes, qui trouve Santiago. On peut constater Malaga est en train de jouer chaque fois le double teaming en défense, mais on arrive quand même à faire des passes correctes et chaque fois à trouver l'homme à l'intérieur de l'anneau pour un shot facile. Oui, et ça va demander encore plus de rotation défensive alors du côté adverse. Blackney, il passe, profite bien de l'écran, provoque Santiago, ressort et là il va prendre son shot à 3 ou à 2 peut-être. Le rebond lointain, faute de Santiago. Dommage, dans son rebond, il fait un mouvement vers Archibald et il le touche, donc la faute est sifflée. Long rebond. Et ben voilà, c'est sifflé. Un bras vers l'avant. Le switch, on n'hésite pas à changer de joueur avec Gomis qui est maintenant sur Saul Blanco. Blackney, le shot est un peu trop long. Mallette encore. Et Mallette trois fois. Il a raison, il faut y aller. Tant qu'il y a de l'ouverture, ils ne sont pas encore placés en défense correctement et il doit absolument essayer de créer quelque chose. Et il le fait très bien pour l'instant. Une des grandes qualités de ce garçon, c'est que c'est un homme qui apprécie bien les choses à faire. Exactement. Il sait ce qu'il faut faire et il va là où ça fait balle. C'est comment il faut le faire et quand il faut le faire. Bon ballon pour Archibald. Oh ! Qui rate. Ah !
Mallet attend l'écran. Mise à deux. Oui, ah non, on n'a pas pu donner. Si, la voilà. Santiago, Hamilton, Santiago encore. Bon jump shot, bravo. Bravo. Très bon mouvement. On sort la balle à l'aile. On la redemande. On lui resserre le ballon. Un pivot, il tourne. Oui. Hop. Et là, on sent qu'on a, on a besoin d'une certaine dynamique, d'un certain rythme dans son mouvement. Et on a bien senti que Santiago était totalement dans son rythme. Exactement. Et puis, il est dans le rythme aussi des quelques matchs qu'il a pu évidemment jouer depuis qu'il est arrivé. Allez, Printezis, pied au sol, mais trois points réussis sans problème. Hamilton. On retrouve Wright. Wright qui vient à l'opposé chercher Gomis. Gomis à 3. Oui, la réplique de Joseph Gomis. Alors, si en plus on a une réussite telle que celle-ci pour l'instant, ben, très bien. Hein, on va continuer à jouer correctement en défense comme on l'a fait contre Real Madrid. Essayer de les forcer à rater un maximum de shots. Blanco, immédiatement, le shot est manqué, le rebond il est long et il reste quand même pour les Espagnols avec la présence de, d'Archibald. Il n'a pas, comme on l'a dit, été productif, mais il pèse malgré tout sur le secteur intérieur. Mais oui, les ballons passent chaque fois par lui, hein, ça c'est très clair. Et il y a un jeu intérieur, en tout cas, qu'ils essayent de produire pour l'instant. Mais on a une très bonne défense de Santiago et dans l'ensemble, ils n'ont pas encore réussi tellement à nous faire mal dans ce secteur. Daniel, when you catch that you pass out right away, seal off the second time, like he did, he passed you a second time and you have a better position after that. Remember, if you saw Grant first trailer, don't screen the ball right away, you screen and you seal off. Okay? Excellent job. Come on now, let's go. Hey! Très bonne analyse de Giovanni Bozzi, hein, très clairement, qui dit d'alterner ce jeu intérieur avec Santiago, qui reprenne une deuxième fois la position et qui sera meilleur que la première encore, et donc de jouer son jeu intérieur et évidemment d'essayer de faire mal aussi bien offensivement, mais faire des fautes également aux joueurs de Malaga. Printezis, Blackney, Saul, Blanco et Freeland qui est lancé au jeu du côté espagnol. Bernie Rodriguez est toujours là également. Bon travail, bien attentif pour empêcher les passes à l'intérieur de la raquette. On s'appuie sur Freeland. Freeland face à Santiago, il prend un petit peu d'écart. Par rapport à Freeland, conteste le ballon, il reste 13 secondes à jouer. Il est face à l'anneau maintenant. Freeland, il va en vitesse, semi-hook. Superbe mouvement hein, de Freeland, on voit directement. Il touche sa première balle et fait son mouvement. Ouais. Semi-hook shot à l'intérieur de la raquette, deux points. Il est plus mobile, hein, il est plus rapide. Right, on trouve Santiago. Qui trouve Right à l'intérieur de la raquette, difficile, il ne conclut pas. Brent Wright. Giovanni Bozzi qui réclame une faute entre temps, mais malheureusement pas sifflé. Et on est patient, on retrouve Freeland comme tout à l'heure. Freeland, attention à la deuxième faute pour Santiago et on la lui siffle. Et on la lui siffle. L'arbitre sur le côté lui siffle alors que l'arbitre intérieur ne lui siffle pas. Donc c'est difficile, hein. Santiago doit essayer de se mettre devant et doit combattre la position prise par Freeland, il n'y arrive pas. Et donc d'office après, ben, c'est évidemment plus difficile. Et ben, ici, il commet la faute. Et on va voir l'arrivée d'André Riddick, mais aussi celle de Carlos Jiménez côté espagnol. Et bonne entrée de Freeland. C'était les deux premiers lancers francs de la rencontre. Pressing. Pressing sur tout le terrain, hein. Très agressif. Il y a Barrera qui est monté au jeu aussi. Bonne création. Faute. Non.
Elle n'est pas sifflée en tout cas. Non. J'ai eu l'impression qu'il y avait faute, mais elle n'a pas été sifflée. De l'autre côté, c'est deux points contre-attaque. Quand vous parliez, Pierre, de la mobilité de Freeland, on vient de le voir. Hein. Il était en défense, il court très vite, passe en dessous de l'anneau en attaque, deux points. Donc c'est ça qu'il faut essayer de combattre absolument très rapidement. Hein. Absolument pas les laisser faire. Hamilton. On n'a pas pu aller donner à l'intérieur. Relais avec André Rydik. Hamilton, shot délicat qui roule sur le cercle. Rebond de Brian Wright. Et on siffle une faute au défenseur Carlos Jiménez. Ce qui permet au Spirou de faire deux changements. Double changement Spirou. On est au jeu de Chris Hill et de Brian Green. Hill et Green. Je crois que c'est aussi la clé du match, hein, absolument essayer de faire le maximum de rotation et d'avoir un temps de jeu équilibré pour essayer de récupérer au maximum suite à une dépense d'énergie. Dans l'espace d'André. Barrera qui lui a chippé cette balle. Et Jiménez dans les trois points. Allez. 14-11 dans ce match où les Espagnols sont revenus dans le sillage du Spirou. Hamilton, difficile de donner vers Mallette, Chris Hill, Green, André Rydik qui va jusqu'au bout, il va chercher la faute. Faute de Barrera. C'était ouvert en baseline à droite et il a directement pris le bon mouvement et vers l'anneau, obligeant Freeland à faire la faute. Double changement avec la sortie de Rodriguez. Alors, double changement en effet. Et l'arrivée enfin de Tripkovic. Ça tourne, hein. Ça tourne très vite du côté de Malaga. Le 5 de base n'est déjà plus sur le terrain, donc vient d'être remplacé dans la totalité par les autres joueurs venant du banc. Ah non, beau Brian Green. On est un petit peu à l'arrêt du côté du Spirou. Alors il faut se battre à l'intérieur. Tripkovic, ça va être difficile. Le ballon roule sur le cercle et rentre quand même devant André Rydik. Je me demande si c'est même pas Freeland qui l'a mis en tipine. Mallette, Chris Hill qui crée. Mallette à 3 points, c'est parfait. Impeccable rencontre de Mallette pour l'instant. Bonne pénétration de Hill de nouveau et il sert une très belle balle pour Mallette qui réussit de nouveau à 3 points. Tripkovic, Roman Hamilton profite des doubles écrans. On le retrouve. On aide et le shot de Barrera, il est trop court. Le rebond, il peut être gagné par le Spirou. Excellente défense du Spirou. Avec encore un ballon contesté. Et qui restera au Spirou. Mais attention, attention. Comme le disait Giovanni en début de reportage, ils sont souvent dans les lignes de passe. Et vous avez vu comment le jeune Rafa Freire avait plongé. Ils anticipent très bien, hein. Ils sont chaque fois devant le joueur et ils empêchent de faire des passes faciles. Donc c'est ça qu'il faut absolument, on l'a vu avec André Rydik, on vient de le voir maintenant. Il faut absolument essayer d'assurer sa place en tout cas. Il travaille seul, difficile. Ballon pour le Spirou encore. Peut-être trop seul. Il n'a pas touché le cercle, non, 3 secondes. Pas du tout. 3 secondes seulement. Est-ce qu'on peut isoler Mallette? Difficile. On les isole Green qui manque. André Rydik au rebond. La balle reste pour le Spirou. Une nouvelle possession de 24 secondes là alors. Elle a touché le cercle là. Oui. André a très bien été au rebond et s'est battu avec Freeland. Et malheureusement, Malaga n'a pas la balle. Tant mieux pour le Spirou. Mallette replace ses hommes, il demande des écrans. Passe entre deux hommes difficile, difficile, difficile. André Rydik ne peut pas aller chercher, il fait la faute dans le dos de Freeland. Dommage cette faute. Quatrième faute du Spirou, première faute d'André évidemment. On est dans la dernière minute de ce premier carton.
Barrera, toujours, Jiménez. Et maintenant Trivković. On a dû switcher, Trivković a shoté. Oh, que c'est beau. C'est déjà parti, c'est déjà dedans. Il n'y a plus qu'un petit point d'écart. 20 secondes à jouer. Pour le Spirou en tout cas. Oui, il y aura une dernière possession pour les Espagnols. Hamilton. On trouve Hill qui peut conclure. Bien joué de la part de Hill qui s'était rendu disponible dans la transition. Regardez comme ça va très vite et on n'est pas prêt pour jouer. Oh, André Ridic qui a une main qui sauve quasiment la mise alors que l'on voyait un dunk arriver. Une main qui sauve, il joue très bien en défense, mais je crois que la balle touche la jambe de Freeland et c'était normalement pour le Spirou la balle. Alors, dernier shot, Trivković, ça ne rentre pas. Ça aurait pu, oui. Il faut faire attention à ces mouvements très rapides. 19-16, premier carton à l'avantage du Spirou, mais impression que l'équipe de Malaga est déjà bien présente. Elle est présente, elle s'est laissée un peu prendre dès le départ du match, mais de nouveau, elle revient, elle est là. Et on a pu voir l'exécution de la rapidité, exécution des mouvements de Malaga qui se font très rapidement. Et donc c'est ça qui fait un peu la différence pour l'instant. Ils sont revenus grâce à ça et grâce au jeu intérieur avec Freeland qui a remplacé un Archibald qui était un peu emprunté dès le début du match. Aux côtés de Franco Ricci. Franco, vous êtes l'un des plus fidèles supporters de Charleroi. Votre analyse de ce premier carton d'abord. Comme d'habitude, c'est l'Euroleague. Hein. Bon, on commence bien, mais ça veut dire qu'il faut être vigilant les 40 minutes. Et ici, le petit relâchement qu'on a eu fait que Malaga est déjà revenu à notre hauteur. Donc, il va falloir être vigilant, comme la semaine passée contre Madrid, les 40 minutes. Une victoire ne peut passer que par là. Alors, vous êtes supporter de Charleroi depuis la création du club. Est-ce que c'est la meilleure équipe qu'ait jamais eu le club? Oui, indéniablement, c'est sûrement la meilleure et la plus belle équipe qu'on ait eue depuis au moins minimum 12 ans, avec l'époque sûrement de l'arrivée de Clémence, Ellis, Jacques, David Dezir, et l'arrivée de Giovanni aussi. Mais ici, que c'est dans ici, la preuve, c'est qu'en Euroleague, je crois qu'on n'a rien à envier, on mérite d'être dans les 24. On fait voir que nous ne sommes pas arrivés là par hasard. Et la seule chose qu'on souhaite, c'est d'aller le plus loin possible. Merci beaucoup, Proto. On va laisser les joueurs reprendre. On a très bien shoté aux 3 points du côté du Spirou et c'est une des raisons pour lesquelles on est devant après ce premier carton. Exactement, avec deux hommes qui sont avec une très bonne évaluation. Hein, du côté de Charleroi qui est Damon Mallet avec 11 d'évaluation. Et Freeland qui a moins joué, hein, puisque Mallet a quasiment joué tout le premier carton. Il a joué tout le carton. Hein. Voilà, exactement. Et tandis que Freeland est arrivé en remplacement d'Archibald. Et lui, il a déjà une évaluation de 12. Il a un 3 sur 3. Oui, impressionnant. Voilà. Allez, Freire qui a fait cette remise en jeu. Et Gomis qui joue sur Barrera. Il a été bloqué dans l'écran. Nouvel écran qui est proposé par Jiménez, la ligne de fond. Et on a marché sur la ligne. C'est pas sur la lune, mais ça nous donne le ballon. Barrera. Gomis qui a repris la distribution du côté de Spirou. L'écran. Il. Qui n'a pas pu conclure. Et Freeland qui gagne un ballon supplémentaire. Bonne création. Oh, le compte, il y est. Superbe bloc d'André Ridic, de nouveau présent en défense. Hamilton a hésité. C'est Broyles là-bas dans le fond, qui a hésité. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut directement être dans le match quand on est là. Il faut pouvoir se donner à du 200%, comme je le disais tantôt. Gomis, seul, beau shot pour André Ridic. C'est le 11e bloc déjà de sa carrière Euroleague. Il est tout simplement deuxième dans les statistiques derrière un Lituanien.
de Žalgiris Kaunas. Trivković, il était chaud, il rate un premier jump shot ouvert. Et de nouveau un rebond d'André Rydik. Oui, Chris Hill. Broyles, il va falloir aussi créer, M. Broyles. Pas simplement donner des passes. Oh, la passe, elle est merveilleuse. Elle était millimétrée, parce que là, il fallait vraiment la mettre. Très bonne, très bonne passe de Green. C'est la passe qui a invité le joueur à prendre le backdoor. C'est vraiment remarquable. Tout à fait. Allez, Barrera devant. Faute d'André, deuxième faute. Cette envie d'aller chipper le ballon par moment lui joue des tours. C'est un peu stupide finalement parce qu'on a besoin d'André pendant tout le match. Et donc ici maintenant il a déjà deux fautes. Donc et les deux fautes étaient un peu stupides. Donc déplaçons les jambes plutôt que de déplacer les bras. On sifflera nettement moins. Voilà, les deux grands du Spirou sont à deux fautes. Le Spirou est à plus 7 certes, mais ça c'est quand même une donnée. Négatif pour le Spirou pour l'instant. Premier lancé, Barbera. Et en plus, Barrera lui ajoute deux points au lancé franc. Il face à Blanco. Voilà Green qui donne un bon ballon. Deuxième excellente passe de Brian Green. Et Santiago qui se sent bien, on le voit directement dans ce mouvement. Il pivote et va directement dunker la balle dans l'anneau. Barrera, on sort de l'écran, c'est Trivković, il avait l'avantage. C'est 2 points, je crois. Il va pas falloir le laisser faire, hein, parce que lui, il est là, il est bien présent et c'est un vrai tueur. Bonne création de Gomis. Oh oui, c'était bien joué, dommage. Mais tout était bon dans l'action de Joseph Gomis. La manière dont il avait dépassé son adversaire, la manière dont il obligeait l'aide défensive et la manière dont il avait isolé son partenaire. Tout ça était parfait. Très belle action. Giovanni Bozzi va certainement leur dire de revoir un peu la défense et de ne pas laisser shooter à 3 points. C'est vraiment pas ce Trivković. Freeland est à 3 sur 3 à 2 points. Trivković, 1 sur 2, 1 sur 3. Il est à 5 points marqués pour l'instant. Alors Pierre, j'ai l'impression que les joueurs connaissent tous l'espagnol hein, là-bas. Parce que sinon, c'est un peu compliqué de comprendre le coach. Pour ma part, je ne le connais pas. Mais je suppose qu'il a notamment parlé de mallette et de ne pas le laisser faire. Ce qui est impressionnant, c'est le calme, la précision des consignes. Et c'est pas long, hein, ça ne met pas de pression supplémentaire sur l'adversaire. C'est un peu sur les joueurs. C'est... Tout à fait. Très court, très bref. On a vu... Avec l'expérience qu'il a, il sait cibler correctement les points dont il doit discuter, en tout cas à son temps mort. Et c'est ça qui rassure aussi sans doute les joueurs. 25-20, ballon pour 14 secondes en possession du Spirou. On trouve Joseph Gomis au ballon. L'aide défensive, on trouve Chris Hill à 3. C'est dommage, ça ferait du bien d'avoir un joueur supplémentaire productif au-delà des 6,75 m. Bonne création, même si Barrera perd le ballon. Est-ce que Gomis peut aller jusqu'au bout? Il a Sol Blanco. Et vous avez vu comme il a gardé de l'altitude, j'ai envie de dire, avant Exactement. De déposer son shot. Tout à fait. Pendant que Blanco était déjà en train, en phase de retomber par rapport à son jump pour essayer de bloquer le shot de Gomis, le lay-up de Gomis, lui, il était toujours en phase montante. Et donc, il a déposé cette balle facilement dans l'anneau.
Il y a eu un bon travail de Broyles en défense sur Trivković. Et là, la main de Chris Hill qui est sanctionnée. Alors, on va le revoir. Il y a une main. Je pense que c'est l'autre. C'est en tout cas d'abord l'autre qui fait le geste et puis enfin une autre main qui vient se placer sur le bras. Voilà. C'est léger en tout cas. Roderick Blackney et Gomis, alors que c'est toujours très difficile de passer. Vous voyez ces écrans de Freeland et c'est Broyles qui prend la faute. Et Trivković évolue très très rapidement et donc il est très difficile de le tenir. Il y a un écran qui est là et il faut essayer de passer au-dessus. Absolument, regardez l'évolution rapide, un shot ouvert et deux points. Surtout qu'il est chaud, l'ami Trivković. Et j'imagine que pour l'instant on a pris l'option de ne pas avoir un Santiago qui vient faire le edging. Oui, tout à fait. Quitte à permettre d'avoir des shots ouverts à l'extérieur. Quoi. Oui, tout à fait. C'est sans doute l'option prise pour l'instant, mais quitte à changer par après. Bonne création. Et Green, c'est parfait. Voilà. Belle création de Hill. Vous l'aviez demandé, Pierre. Un deuxième producteur à 3 points. Il est là. Très belle passe, très belle pénétration. Oh, Blanco qui ressort ce ballon. Trivković était un peu libre. On est patient. Sol Blanco prend l'équilibre. Le shot, il est sauvé par un Santiago. Gomis, faute de Jiménez. Pas content, Jiménez, mais. Les fautes faites par derrière sont souvent sifflées. Hein. Ici, de nouveau, regardez. Voilà, hop, il essaye de prendre la balle et il touche le joueur. Je comprends pourquoi il n'est pas content, c'est sa troisième faute personnelle évidemment. Déjà. Donc fini avant le troisième carton pour lui. Vraisemblablement. Ah ben voilà un homme qui avait fait tellement mal, Ruben Rubio. Ben vous voyez, il peut être tellement brillant dans un match et puis de commencer sa rencontre qu'après 15 minutes ou 14 minutes, quelques semaines plus tard. Green. Hop, 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 c'est en plein dans les mains de Trivković. La transition peut. Elle est un peu contrôlée, Blackney. On cherche l'intérieur, c'est Freeland, avantage très net de taille. Il est passé, mais il ne conclut pas. Contre défense de Green malgré tout. Allez, le Spirou pour peut-être prendre 10 points d'avance. Mais là, il faut mieux faire les passes. Hein. Ça, c'est un ballon qui a été vendangé malheureusement. Et on essaie de jouer avec Santiago et malheureusement il était en bonne position hein, mais la passe est mauvaise et on n'arrive pas à concrétiser. Et puis Santiago, c'est pas le joueur qui va s'écarter pour aller chercher son ballon. Hein. Il faut vraiment que le ballon vienne vers lui. Tout à fait, il se met en position et il doit recevoir le ballon là où il est. Voilà. Kovic qui fait voir de toutes les couleurs à Broyles. Blanco immédiatement. Oh que c'est joli évidemment. C'est pas un, c'est l'autre. Oui, c'est ça le danger. Hein, exactement, c'est que pour ça vient partout. Ça vient de partout, mais ils sont à moins 6 quand même. Hein. Donc, malgré tout. Gomis, oui, bonne passe. Et faute. Faute de Trivković qui va donner des lancers francs. Allez, l'exercice des lancers francs va être important. On a raté les deux premiers. Très bonne passe de Gomis à l'intérieur à Santiago. Il doit prendre sa position, comme on le disait très bien. Et puis, faire son mouvement. Il attire chaque fois deux hommes sur lui. Donc, à la limite, il peut encore faire une petite passe à l'intérieur de la raquette. Mais en tout cas, essayer de non seulement forcer à l'intérieur de la raquette, mais de faire des fautes au grand aussi. Alors, un jeu plus petit. Santiago qui a deux fautes. On le fait sortir à 4:45 de la fin de ce deuxième carton. Et on va jouer Green et Wright. Alors que donc, dans l'autre équipe, Malaga, Freeland vient de sortir. Et c'est Archibald qui vient de reprendre sa place. Alors, qui prend Blanco? Voilà, c'est Mallet qui le prend.
double écran au-dessus et très très bon service pour Archibald en dessous. Oui, la manière dont il a obligé l'aide défensive avant de donner, c'était parfait. Royals. On est avec Gomis et puis maintenant avec Green. Green qui prend le shot immédiatement. Ça ne touche rien. 5 points d'avance, 4 minutes à jouer avant la mi-temps et faute de Green. Rubio court très très vite en position, prend cette bonne position et Green revient sur lui. Malheureusement, le touche et l'expédie un peu trop fort. Et un temps mort demandé par le coach Giovanni Bozzi. Ça doit être son deuxième temps mort, j'imagine, de cette première mi-temps, son dernier temps mort. Run right now on Archibald. When here you have to be able to fake or fake and back. Only on the 11 I want you to stop him on you. Lucky he will come and you fake and back. Yes, Dwayne will come to the weak side. Okay, the problem is we're a little because the 11 is to that weak side situation. Hey! Hey! The most important thing offensively, just one thing, they have four calls collectively. Il y a un temps mort de chaque côté. And now, on the penetration, if they kick, we'll take a better shot. All right? Hey! Mais on a pu entendre Jeremy Bozzi parler de l'aide que ils doivent absolument essayer d'apporter à l'intérieur de la raquette, mais de directement revenir sur les joueurs. On ne doit pas les laisser une seule seconde libre. Donc, faire le mouvement d'aide vers le joueur qui pénètre dans la raquette, mais retourner, retrouver son joueur directement. Trypkovic avec Rubio, avec un homme au sol de l'autre côté, c'est Archibald. Trypkovic qui attire deux hommes, qui passent, qui trouve Archibald. La balle a été touchée. Et c'est une défense. Oui. Bonne défense de Charleroi ici. Ah oui, difficile, mais qui est gagnante. Gomis, petit avantage. Oh, court, le shot. Récupération Blanco. Transition, Blackney. Hop, Hamilton. Archibald qui perd le ballon. Très bien récupéré de Green, hein, qui se voit partir à l'extérieur du terrain avec la balle et qui, très intelligemment, la remet sur la jambe de Archibald. Robert. Allez, un petit peu de point pour le Spirou. Green qui va dans le trafic et provoque la faute de Ruben Rubio. Il fait la faute très clairement, il a décidé de la faire et il ne s'en cache pas. À charge pour le Spirou qui est à 1 sur 4 au lancer franc d'en profiter. C'est le quatrième point de Green. Et voilà le cinquième. C'est un écart, 3 minutes 13. Dans ce deuxième quart-temps, Blanco, bonne attaque, bon ballon et bonne fin de Archibald. Ah, il faut arriver à ne pas se faire manger sur le premier dribble de son adversaire, sinon ça devient difficile après. Royce, qui provoque une faute, c'est là. Sixième d'équipe, donc à ce moment-là, il y a des lancers francs. Exactement, c'est ce que Giovanni Bozzi disait. Il n'avait que 4 fautes, maintenant ils viennent d'en faire 2. Et enfin, on va aller au lancer franc. Et il faut absolument, comme vous le disiez Pierre, réussir ce lancer franc, avoir un meilleur pourcentage encore maintenant. Oui. Deuxième faute, Trypkovic également. À la mi-temps, entre Bamberg et Rome, le score est de 30-31, ce qui confirme un peu plus que tout reste ouvert, hein, quand même, du moins derrière les ténors du groupe. Thank you.
Allez, les lancers francs. Galvo, 5 points perdus du côté du Spirou, c'est beaucoup trop. Blanco qui démarre main droite, qui retrouve à main gauche avec Ruben Rubio à 3 points. Ça roule sur le cercle. Il n'y a rien de mal fait. Et Gomis monte ce ballon en vitesse. Mallette retrouve Wright. Excellente passe, excellente main gauche. Très bon travail intérieur. On a vu Wright aller assez vite vers l'anneau et recevoir le ballon pour marquer un panier facile à l'intérieur de la raquette. Et on n'hésite pas à switcher du côté du Spirou avec une faute offensive. C'est Archibald qui la prend ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est Blackney. C'est Blackney. Coincé un bras, c'est ça qui l'a montré. Sans doute. Oui, voilà. On ne voit pas tellement bien, mais apparemment, c'est ce que l'arbitre vient de siffler. Regardez, la défense de Malaga monte très très haut. Ils vont mettre une pression maintenant. Voilà. Prise à deux. On la contourne bien. La balle arrive. Ah, ça c'est super. Parfait. Super. Ça c'est parfait. Parce que comment faire arrêter un pressing ? Eh bien d'abord en le battant et en lui montrant que qu'on est là, qu'on est présent très rapidement. On fait 3-4 passes, on est en dessous de l'anneau et un dunk de Wright. Allez, Blanco, on a switché. Ce qui permet à Blanco de se retrouver face à Green. Bonne défense de Green. Archibald. Le reballon qu'il retrouve, c'est joli. La passe est superbe, je crois qu'elle est même entre les jambes, si on peut voir le ralenti. Voilà, entre les jambes de Wright. Allez, Wright, main gauche, faute, il aura de lancer. Faute de Saul Blanco, je pense qu'elle y était. Ou bien c'est mon côté un peu supporter du Spirou. À mon avis, ça doit être ça. Ah bon, c'est un petit peu, Pierre, allez, quand même. Allez. Allez, alors on n'y était pas. De lancer, blind drive. De nouveau deux lancers francs pour le Spirou. Qui provoque des fautes, c'est aussi une bonne donnée dans cette fin de deuxième période. Voilà. 8 points d'écart, 38-30. Et si on pouvait passer le cap de la mi-temps avec une dizaine de points d'écart, ce serait vraiment bien. Mais pour ça, il faut marquer ses lancers francs. 4 sur 10. Blackney, on vient proposer un écran pour Archibald. Archibald face à Wright. Bonne défense de Wright. La balle malheureusement rejaillit dans les mains de Ruben Rubio. Et là-bas, il y a une faute de Wright sur Archibald. Il prit le C'était bon loin Dieu. Du ballon. Je me demande même si ce n'est pas Archibald qui s'est trébuché tout seul. Mais... Mais c'est une bonne chute, ça lui donne de lancer. Deux fautes Wright. Et on s'échange des petits mots doux hein, entre Archibald et Wright. Je pense que ça peut faire rater Archibald dans ses francs et que ça reste correct. Longue concentration, mais bon, voilà. Alors. Alors que le coach. Qu'est-ce qu'il demande, le coach? Une faute technique? Demande une technique, oui. Je ne sais vraiment pas pourquoi. On est dans la dernière minute avec une faute. Et la faute est contre Raoul Ruben Rubio. Ils sont en train de jouer, on l'a vu directement. Quand Rubio est rentré sur le terrain, il commençait à se laisser pousser assez facilement. Et... Mais on ne sait toujours pas exactement qui fait quoi. Non. Parce que c'est très tendance. Dieu, c'est tendancieux. Là, c'est Wright qui prend deux lancers, enfin qui obtient deux lancers francs. À charge pour lui de les marquer. C'est quand même sportivement qu'on veut voir nos amis les Spirou. Et regardez, encore un petit point de perdu. Changement
Jarocevic pour terminer ce carton. Et peut-être qu'il faut calmer Brent Wright, on sait la mésaventure de ce dimanche avec malheureusement des gestes plus qu'inadéquats et dans lequel Brent Wright était impliqué. Il va d'ailleurs avoir le temps de se morfondre sur le côté puisqu'il a été suspendu pendant 8 semaines. Et ça, c'est le coach espagnol qui a demandé le temps mort. Si defienden de otra forma, zona, ya defienden zona, movimiento de balón, movimiento de balón, bloqueo, zona bloqueo. Luego, si estamos y podemos, estamos puños cruzados otra vez, con decisión para estar todo el campo con decisión. A la primera, nos baten. Vamos ahora, salida de presión, atentos, salida de presión. Presión, presión. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de connaître l'espagnol. On voit que Bernie Rodriguez traduit certains éléments pour Rodrigue Blackney. C'est clair, on ne peut pas directement apprendre la langue comme ça quand on arrive pour la première fois dans l'équipe, mais je crois qu'ils se font fort, en tout cas en Espagne, d'apprendre la langue pour pouvoir justement non seulement répondre aux journalistes, mais également pour pouvoir comprendre ce que les coachs disent. On est dans la dernière minute donc. Blackney qui est passé, faute de Gomis, de lancer. 50 secondes à jouer. Photo numéro 5, Joseph Gomis. Première faute. De lancer, Blackney. Premier lancer, Blackney. Ils en sont à 86% du côté de Malaga. Il n'en aura peut-être qu'un pour l'instant. Et puis il joue le pressing juste après. Prise à deux, pas facile de s'en sortir. Gomis est passé, Jarocevic a patienté. Et Mallet est bien venu chercher le ballon. Ce sera un shot pour Broil, c'est beaucoup trop court. Oh, le ballon retombe chez Mallet. Qui retrouve Brian Green. Il est seul et il le met. 27 secondes, il restera 3-4 secondes pour le Spirou. Si tout va bien. Non, il y aura même plus de temps. Dernière possession pour les Espagnols. Blackney demande un jeu tout seul. Hein. Les quatre autres sont en dessous et viennent faire un écran maintenant avec Archibald. Rodriguez, ça ne touche rien. Le ballon reste espagnol. Et le shot là, il est ouvert et c'est deux points. Saul Blanco. Ah, c'est le rebond qui est dommage. C'était le panier qu'il ne fallait pas prendre, hein, juste avant la mi-temps. Il fallait absolument essayer d'avoir ce rebond. Malheureusement, le Spirou n'a pas réussi à le prendre. 41-35, mais un deuxième carton remporté quand même par le Spirou. Les deux cartons gagnés de 3 points jusqu'à présent. Avec le match contre l'Olympiakos et puis le club des supporters. Esprit Spirou organise le samedi 27 novembre un déplacement avec Damon Mallet. Damon, your analysis on this first half. We're playing well. We're matching their intensity. We're making it a half-court game for them. And it's difficult for them. We just got to continue to be aggressive on defense, and the offense will come. And you still make some mistakes, and you lead. Yeah, basketball is a game of mistakes. You know, the thing is, a good team corrects the mistakes in the second half, and that's what we're going to do. You know, we're going to continue to play, you know, in the same momentum that we've been playing. Get back on transition defense and let the offense roll from there. You seem to have found the right rhythm in this EuroLeague. Is that right? Yeah, I mean, we gave some games away. We're supposed to be 4-1 right now, and we're finding our rhythm. We're playing together, and we're finally playing a 40-minute game. So, you know, we got 20 minutes left in this game, and we want to come out hard. Does it mean that you're very confident for the second half? Yeah, I mean, Malaga's a good team. They're going to come out and make some adjustments. And, you know, we just have to prepare for them and continue to do what we do and, you know, play a complete 20-minute game. Thank you, Damon.
Voilà, jouer 40 minutes. 40 minutes sur le même tempo, c'est un peu ce qu'il a asséné, l'ami Damon Mallett. Oui, on est bien rentré dans le match parce qu'on a réussi à tout de suite matcher, donc à être à leur même niveau d'intensité. Et le basket est un jeu où il y a des erreurs, mais une bonne équipe, c'est celle qui corrige en deuxième période. Exactement, hein, c'est ce qu'il dit, mais il dit aussi que la défense est vraiment importante et que l'attaque viendra, suivra par après. Donc je crois qu'ils doivent continuer la manière dont ils ont évolué ici en première mi-temps. C'est pas mal, malgré tout, ils ont certains côtés à rectifier certainement. C'est ce que Giovanni Bozzi va certainement faire pendant la mi-temps. Et puis, ben, ils sont là et ils sont quand même encore en train de gagner le match pour l'instant. Voilà, et nous qui sommes peut-être nettement, pas peut-être, certainement nettement moins forts que Giovanni Bozzi, on a déjà pointé un élément sur lequel il faut corriger, les lancers francs. Hein. Ça, c'est certain, avec un pourcentage très faible, près de 40%, je crois, par rapport à 86, voire 90% du côté de Malaga. Donc, la différence peut se faire en fin de match à ce niveau-là. On redescend. Stéphane a de l'info. Non, j'ai pas vraiment d'info, mais je voulais juste signaler quand même un élément qui me paraissait important dans l'interview de Damon Mallett. C'est qu'il confirmait que, selon lui, les Spirous ont trouvé le rythme de l'Euroleague et qu'ils devraient déjà avoir 4 victoires pour une seule défaite. Ce qui me paraît important, c'est qu'ils ont trouvé le rythme. Et si c'est Damon Mallett qui le dit, ça me paraît assez juste. Tout à fait, c'est une très bonne analyse de Damon Mallett. C'est vrai qu'après les matchs maintenant qu'ils viennent d'avoir petit à petit, c'est la deuxième partie de cette Euroleague qui commence pour eux. Mais je crois que le rythme, ils l'ont et ils l'ont encore montré cette première mi-temps en tout cas. On fait un petit break, Marc, et je vous propose de rencontrer Christophe Beguin. Vous savez qu'il est dans cette période de revalidation et même maintenant, elle atteint un niveau beaucoup plus intense puisqu'il a repris le travail avec le groupe. C'était l'occasion pour Stéphane Druard notamment d'aller le rencontrer. Bonjour, je m'appelle Christophe Beguin, Bucks pour les intimes, j'ai 30 ans, je joue pour les Spirou de Charleroi et je reviens de blessure. Donc, c'est la stage de l'équipe, si je vois avec la caméra à chaque fois de toi, ouais. C'est le stage de toi. J'ai le feu vert aujourd'hui pour recommencer avec le groupe, recommencer vraiment les entraînements avec le groupe, des 5 contre 5 et tout ça, donc avec contact. Et maintenant, je vais voir un petit peu comment le pied va réagir ce soir à l'entraînement et voir si tout va bien se dérouler. Ah, c'est pas facile, on a raté quand même déjà 4-5 matchs d'Euroleague, on a raté quand même les qualifications pour jouer cette Euroleague. Et je crois que tout ça fait que bah, voilà, c'est beaucoup de matchs qui manquent un petit peu, je veux dire, entre guillemets, à notre palmarès et qui fait un petit peu du mal au cœur. J'ai commencé déjà le basket à 16 ans. J'ai été assez rapidement appelé à l'Ajax School pendant un an et l'année d'après, j'ai commencé en première division à Lost quand j'avais 18 ans. Je suis retourné 5 ans à Ostende, puis là j'ai fait un an en Italie. Je suis à la fin de cette année-là, je suis revenu à Charleroi pendant un mois et demi parce qu'il y avait eu justement des problèmes avec le club là-bas en Italie. Puis j'ai fait 2 ans à Pepinster, puis de nouveau un an à Charleroi, puis 2 ans à Anvers et voilà, me revoilà de retour à Charleroi. J'avais discuté voilà, avec le coach Giovanni Bozzi avant de revenir et je crois qu'il veut un petit peu me donner le rôle que j'avais justement en Anvers, le rôle que j'avais en équipe nationale. C'est justement le rôle qui me convient le mieux pour justement évoluer à mon meilleur niveau. Alors on a essayé que je commence à shooter plus à 3 points, que je commence à essayer de jouer un peu plus face à l'anneau. Et c'est des choses que voilà, si on n'a pas ça vraiment, je vais dire, si c'est pas un peu inné ou si on n'a pas travaillé ça depuis son plus jeune âge, je crois que c'est pas toujours évident justement de, quand on a 23, 24 ans, de changer du jour au lendemain et de partir d'un registre à un autre comme ça, c'est pas évident. Quoi. Je suis pas le plus grand pivot, je crois qu'on voit même un gars comme Daniel justement. C'est un gars qui a 2m16, j'ai 2m6, mais bon, moi j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. J'ai toujours joué un peu avec autre chose, j'ai joué un peu avec ma vitesse, un peu avec des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais gêné. Je crois qu'en équipe nationale, je joue aussi sur la position 5. On a joué contre des gars comme Gortat ou Pachulia. C'est quand même des gars qui ont aussi une tête de plus que moi presque. Et j'ai toujours eu, je crois, une bonne lecture du jeu, un bon placement. Et je crois que je joue vraiment beaucoup là-dessus. J'ai de très bons appuis. Pour un grand et voilà, ça c'est un petit peu ma force. Je sais que je suis pas un gars comme André qui peut sauter au-dessus de l'anneau 20 fois d'affilée et voilà, moi j'essaie de jouer un petit peu avec mes qualités et d'améliorer mes défauts. All
C'est un sport assez viril. Je crois qu'on n'en a pas toujours l'impression, mais c'est quand même des contacts du début à la fin du match. Il n'y a jamais 5 minutes où on peut se reposer, où on va se dire voilà, on va pas recevoir un coup. Et tant que ça reste bien sûr quelque chose de correct, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé. Donc voilà, moi j'aime bien justement le contact, j'aime bien qu'on se pousse un petit peu. On essaie de lire un petit peu son défenseur, de quel côté il nous pousse. Et voilà, essayer de jouer un petit peu sur une rapidité, faire une ou deux feintes et pouvoir essayer de passer de l'autre côté de l'anneau. Moi, c'est mon mouvement préféré, on va dire. Donc voilà, moi, je joue beaucoup là-dessus et j'essaie de provoquer un maximum de fautes. Je crois que j'ai toujours été un gars qui avait les pieds sur terre, qui n'a jamais pris la grosse tête ou qui n'a jamais été quelqu'un de difficile, justement, dans une équipe ou quelqu'un de difficile à gérer, je veux dire. Je crois pas que je suis fier de ça et voilà, je suis fier de petites choses comme ça qui font que voilà, je reste toujours un peu le même gars d'il y a 10 ans qui a commencé sa carrière à ce moment-là et j'espère pouvoir apporter autant que Daniel Santiago ou peut-être plus. Mais c'est vrai que ce sera pas évident. Je crois que j'aurais peut-être besoin d'un petit peu de temps pour me réintégrer au groupe aussi. Maintenant, ça va faire quand même 3 mois qu'ils sont ensemble, qu'ils jouent ensemble. Daniel, ça fait quand même maintenant 2 mois, enfin 1 mois qu'il est là. Donc je crois que c'est vrai qu'il faudra sûrement un certain temps pour moi vraiment rejouer à mon niveau, mais je crois que ça peut aller, quoi. Il n'y a personne qui est vraiment un peu gros coup ici dans l'équipe ou qui prend un petit peu les autres joueurs de haut. Et je crois que c'est ça l'avantage d'un groupe aussi expérimenté qu'ici. C'est que tout le monde voilà, s'entend vraiment très bien avec tout le monde. On a vraiment beaucoup d'expérience. Et je crois que ça, c'est ce qui va faire la force de Charleroi cette année-ci. Comme mon avis, d'ici 2 semaines, je serai de nouveau à 100% et Christophe Beguin sera là, quoi. Christophe Beguin sera là. Il l'a dit, il le sera. Voilà, avec cette démarche un petit peu lente, là, comme ça. Mais quand il faut y aller, il est quand même... Il a toujours été là, on l'a vu avec l'équipe nationale. C'est ouais. Un garçon très humble, qui travaille vraiment très, très bien. Un joueur atypique, en tout cas, dans son poste. Allez, on regarde les phases intéressantes de cette première mi-temps. Vous voyez cette manière d'attaquer l'intérieur et de ressortir ce ballon. Il y a eu quelques bons shots à 3 points, notamment de Mallette qui enchaînait là dans une pénétration et un petit déposé. Bah là, on disait le double jeu, hein. On ressort la balle, on lui resserre et hop, un panier facile. Et oui, et les autres aussi ont marqué, hein, malgré bien tout. Sûr. Hein, commencé par Printezis et ce shot à 3 points. Un peu de transition, il n'y en a pas eu beaucoup, mais celle-là, elle était parfaite. Bernie Rodriguez pour Freeland, si je me souviens bien. Et là, cette passe, on la voit très très bien aussi. Superbe passe. Le Green. Allez, contre-attaque pour le Spirou. Il faut en profiter, il faut les marquer. C'est ce que Gomis a fait. Et là, de nouveau une isolation pour un très bon shot pour Green. Et là, le travail pour isoler son pivot après avoir attiré les deux adversaires. Voilà comment on bat le pressing de Malaga en jouant sur les lignes, quelque part. Hein. Bien sûr. Voilà les statistiques, Marc. Qu'est-ce que vous en pensez? On le dit, on souligne avec le pourcentage très faible à un point. On le voit 42% pour le Spirou Charleroi contre 88%. Pour le reste, à 2 points, ça s'équilibre. Hein. Et alors, pour 3 points, on peut le voir malgré tout. Chez nous, on a une très très bonne réussite, 57% contre 22%, si je vois bien, du côté de l'Unicaja Malaga. Donc, je crois que là aussi, c'est pour cette raison qu'on arrive à maintenir cette équipe à quelques points. On descend, on a de l'intérieur. Oui, aux côtés de David Dezib. David, vous sortez du vestiaire. Alors, quelles ont été les consignes? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut appliquer dans cette deuxième mi-temps? Ben, je vais dire qu'encore une fois, il faut appuyer les points positifs parce que dans un match important comme aujourd'hui, on devait bien commencer la partie, bien rentrer dans le match et aussi ne pas perdre trop de ballons. Ce qu'on a fait, on en perd 3. Donc ça c'est très important, ça a permis que les joueurs espagnols n'ont pas su courir, ce qui est leur jeu préféré. Donc derrière, voilà, on est bien. Maintenant, il faut rester vigilant parce que lors de leur dernier match à Bamberg aussi, ils ont fait une première mi-temps mitigée. En deuxième mi-temps, on a vu
une toute autre équipe. Donc encore une fois, restons concentrés. Et c'est un peu ce qui a été dit, rien n'est fait. On joue bien, offensivement on a un jeu assez fluide, un bon jeu de passe. Donc continuons comme ça, une bonne alternance intérieur-extérieur. Et voilà, pour le reste, je pense que maintenant c'est vraiment les détails qui font la différence. Et aussi le mental, savoir tenir. On va voir comment eux vont réagir aussi maintenant. Il va falloir gérer les fautes de Santiago et Riddick, c'est pénalisant. Bah non, on a un peu l'habitude parce que bon, forcément ils alternent et bon, c'est un peu la règle, deux fautes, on attend et on s'assied pour être bon en deuxième mi-temps. Donc ici, bah, ils ont six fautes à faire à eux deux, donc c'est quand même énorme aussi. Il faut savoir que Brent Wright peut jouer au 5, donc non, je pense que ça va pas vraiment être un problème. Je dis, la plus grosse chose, c'est voir comment Malaga va jouer en défense, sous la pression, le nombre de ballons qu'on va perdre. Et voilà, et puis bon, si on met les paniers dedans aussi, ben, on aura un heureux événement à la fin du match. Merci David. Voilà, tout est ouvert encore, tout est ouvert, mais on est conscient que le Malaga, c'est une équipe qui corrige ses erreurs en seconde période, comme le disait tout à l'heure Damon Mallette, et qu'il va donc falloir au minimum garder le même niveau. Moi, j'ai tendance à dire après cette interview-là, c'est que du côté du Spirou, on est relativement satisfait parce que collectivement, ça joue bien, mais si on regarde individuellement dans les statistiques, on peut mieux faire. Hein. André Riddick a déjà été nettement meilleur qu'ici, Chris Hill aussi, et puis on peut citer les autres. Hein. Exactement, ils peuvent être beaucoup plus productifs qu'ils ne l'ont été. On est là quand même devant pour l'instant, mais si Malaga corrige le tir, comme ils l'ont fait certainement la semaine dernière, pour revenir avec une deuxième mi-temps très agressive et très positive pour eux, il faudra faire attention. Et David Dezy l'a dit, il faudra être concentré jusqu'à la fin, ne rien laisser passer et tenir ces quelques points d'écart pour éventuellement avoir un heureux événement à la fin du match. Voilà, Malaga qui est un habitué du top 16, ben il veut évidemment en faire partie. Ils sont bien partis, hein, ils sont avec 3 victoires et 2 défaites, ils sont 3e du groupe, mais ils voudraient se rassurer en venant chercher un succès, un deuxième succès en déplacement après Bros, en venant le chercher ici du côté du Spirou. Là, ils auraient la voie royale pour la suite de cette saison régulière. On sait du côté du Spirou, c'est do or die, comme disent les Américains, hein, quasiment. Exactement. Aujourd'hui. Hein. Il faut le faire. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Dans quelques instants, la reprise. Un petit coup d'œil sur le match Madrid-Olympiakos, 37-27 après 17 minutes de jeu. Alors que Broz et la Roma sont à égalité, 42 partout après 26 minutes de jeu. Mallette, on est avec le 5 de départ du côté du Spirou. Wright et sa main gauche, il doit ressortir avec une percée en force de Damon Mallette. À revoir éventuellement. Il aurait écarté du bras selon le geste de l'arbitre. Ah, il met sa main dans le dos du joueur, ce qui est maintenant interdit, tout à fait interdit. Blackney aux sorties de l'écran, nouvelle faute et 2 points. Ah là 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 là, c'est un mauvais départ pour le Spirou, un excellent pour Roderick Blackney. La faute de Damon Mallet. En deux fautes à la suite l'une de l'autre. Quelques secondes. 41-37. Gomis, il y a du trafic. On ne peut pas marquer. Le rebond, il est pour Freeland. Que l'on retrouve à distance. C'est bon.
Si en plus Freeland se met à shotter à distance. Oui, en une minute, ils sont revenus dans le sillage du Spirou. Oui, Giovanni Bozzi l'avait dit, il faut absolument être là dès le début et ne pas les laisser faire quoi que ce soit. Malheureusement, il vient de réussir. Oui, il resserre très fort à l'intérieur, regardez comme on est en difficulté. Alors il va falloir se remettre au shot à distance, il ne rentre pas ce shot de Gomis. Lacné encore, et troisième faute de Damon Mallett. Il demande vraisemblablement l'assistance, l'aide en tout cas de Wright, mais Wright est en train de lui expliquer que ce n'était pas possible, en tout cas cette fois-ci. Allez, début assez inquiétant. Oui, le coach Bozzi qui a hésité une petite seconde, mais qui va relancer vraisemblablement Chris Hill à la place de Mallett pour nous soulager de ses trois fautes. Gomis. Et maintenant Hamilton. Et même offensivement, on est en difficulté pour trouver des solutions avec des prises à deux. Et regardez un ballon qui est délicat, le shot. Et bien Hamilton qui sauve son équipe. Très bon shot d'Hamilton, mais absolument. Vous voyez la défense qui monte très très haut du côté de Malaga. On est obligé de décarter carrément ce ballon et on n'arrive pas à faire un jeu intérieur, en tout cas pour l'instant aussi. Freeland à nouveau à deux points et à nouveau deux points. Il va falloir sortir sur lui si on le laisse shotter comme ça à deux points. Ils sont impressionnants, mais bon, ça ne va pas nécessairement durer tout le temps. Il y a eu un coup de sifflet, il y a eu un coup de sifflet, puis l'arbitre a repris. Non, ils estiment qu'il y avait une petite erreur et balle pour le Spirou. Changement Spirou, sorti de Damon Mallett, remplacé par Chris. Et le changement annoncé, Chris Hill qui revient à la place de Mallett. Oui, moment délicat pour le Spirou, donc il faut s'accrocher. Santiago, Hamilton. Wright, il trouve bien Santiago, mais qui ne conclut pas. Face à Freeland, et regardez sa vitesse, il est dans la raquette. Freeland va s'occuper de Rubio. Ah là, on était un peu distrait. Et les deux points contre-attaque, très joliment conclus par Wright. Très bonne défense de Charleroi. Et ils doivent absolument essayer de partir en contre-attaque telle de la manière dont ils viennent d'évoluer. Et essayer de prendre des points faciles par rapport à cette contre-attaque. Blanco, 7 secondes pour attaquer. Il prend le 3 points et il le met. Ouh, pour l'instant, ils sont chauds, nos amis espagnols. Ils ratent pas grand-chose. Ils sont plus qu'à un point. Hamilton avec une faute du défenseur Freeland. Geste volontaire de Freeland qui envoie carrément Santiago au tapis. Et sans gravité. C'est sa première faute. Aux arbitres de regarder des deux côtés, évidemment, c'est un petit jeu. Gomis, c'est pas donné à l'intérieur. Wright face à Rubio, le jump shot est parti. Récupération Rubio, transition avec Blackney. Et un temps mort demandé par le coach Bozzi au prochain arrêt. Encore un écran de Freeland. Le jump shot. Ah, le rebond, il est long, heureusement, pour le Spirou. Il faut sortir ce ballon. Gomis à 3. Ça ne rentre pas. Récupération Freeland.
Pour l'instant, la raquette, elle est cadenassée de l'autre côté. Oui, et puis on ne construit pas assez non plus. Hein, donc on a les shots à l'extérieur, on ne les rentre pas. Donc il faut faire tourner un peu plus cette défense de Malaga et essayer de revenir une fois de nouveau à l'intérieur. Rubio passe lobé, bien contesté malgré tout. La transition, elle est peut-être possible. Il va jusqu'au bout. Mais il ne conclut pas non plus. Ah là 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 là, Hamilton. Et de l'autre côté, on est en 3 contre 2. Avec un shot à 3 points pour Trivković, ça ne rentre pas. Heureusement. 46-45, 5 minutes de jeu. Allez, le public qui doit se manifester en effet. Le Spirou est en difficulté, mais il est toujours là. Il, seul, recours, ça ne rentre pas. Blackney sur sa main gauche. Rubio qui a hésité, faute de Santiago. Qui va sortir. On vient de voir la faute de Santiago. Il est en retard sur le joueur et il essaye de nouveau par derrière. Et la faute est sifflée directement. They have only one foul collectively. We forgot again to alternate using penetration. And when I penetrate, they collapse, pass out, and take that right open shot after that. Okay? Dre, I want you, force you to post it up on the seat up on the top screen. When you dive, you think first on the 2-on-2, if not, you seat up. Okay? We want to put the team in trouble on foul. Remember, we're still in the game because we're still really good on rebound and on matchup in transition. All right, here we go. Voilà, Johnny Bozzi vient de dire qu'ils sont encore dans le match malgré tout avec leur transition. Mais il y a une chose à faire, c'est qu'ils n'alternent plus pour l'instant les pénétrations et les shots et les passes à l'intérieur. Ils sont trop en extérieur pour l'instant. Ils sont vraiment en dehors de la raquette. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Et donc, ils demandent une alternance de ces mouvements. Voilà. Et d'aller chercher quelques fautes aussi. Hein, parce qu'on n'a encore provoqué qu'une seule faute en 5 minutes. 5 minutes 15. On est toujours devant. Mais le Spirou n'a plus qu'un tout petit point d'avance. Et l'Olympiakos n'est plus mené que de 8 points. À la mi-temps au Real Madrid, c'est 42-34. Ah, ballon bien contesté par André Rydik. Par contre, le ballon, est-ce qu'on va le sauver? Oui, on le sauve. On est en poursuite. Et Brian Green est toujours vivant. Mais quelle pression, quelle pression. Hamilton, joliment fait, joliment fait. Quelle pression défensive de cette équipe espagnole. Mais malgré tout, il suffisait de le demander. Giovanni Bozzi demande une pénétration. On y va, Hamilton y va. Et il crée quelque chose. Et le panier facile à l'intérieur de la raquette. Jiménez. Ils sont tous en train de marquer à 3 points. Comment font-ils? Ils sont tous en train de shooter et de réussir. Après Blanco, Jiménez. Hamilton. On reste sur Green. Green, c'est beaucoup trop court. On le voyait directement dans son shot. Hein. La main était mal placée par rapport à la balle et... Un shot forcé de l'extérieur avec une défense de nouveau très agressive de Malaga, on peut le voir. Freeland qui emmène André Rydik, qui n'a pas sauté, bien joué d'André Rydik. On le retrouve, pas de faute de faute André, 4 secondes, 3, 2. Il prend le jump shot, oh qu'il est beau, bravo. Hein. Très très beau mouvement, il attire le défenseur sur lui et puis il voit qu'il ne vient pas, hop, shot et 2 points. Est-ce qu'on peut marquer? Oh, pied sur ligne, ça c'est un ballon bêtement perdu. Bêtement perdu, vous allez me dire que le shot était de toute façon raté. Voilà le Spirou qui est mené. Mais ce Freeland, 14 points, est un bourreau pour l'instant. Oui, avec une évaluation de 20. Hein, déjà. Déjà maintenant. Hein. Allez, on travaille pour Bernie Rodriguez. Le voici au ballon. Il part sur sa main gauche, revient sur sa main droite. Travaille au milieu. La balle a été récupérée. Green, on est peut-être en surnombre. Green. C'était difficile pour terminer. La balle est sauvée par les Espagnols.
c'était le petit qui était allé à l'anneau. Barrera, Freeland, Barrera encore. Ça va très très vite. Barrera encore. L'aide défensive de Green. On retrouve Jiménez. Jiménez qui passe au travers. Non, il passe pas. La transition, elle est possible. Et il doit aller jusqu'au bout. Il va chercher la faute de Freeland. Il faut, au niveau intensité, ils ont mis deux crans au-dessus. Il faut absolument que le Spirou, tout en restant lucide, parvienne à mettre cette énergie également. On l'avait dit, hein, ils savent analyser correctement le match. La première mi-temps a été analysée par le coach espagnol. Ils sont revenus sur le terrain avec une volonté d'agir et une volonté de gagner ce match absolument. Vous l'avez dit très bien, Pierre, tantôt. Ils doivent absolument essayer de le gagner pour être classés et évidemment se placer correctement dans les 16 meilleures équipes pour le reste de la compétition. Et puis ils jouent sur 9 joueurs au moins, 9 voire 10 joueurs qui sont interchangeables et ça ne descend jamais de niveau. Les lancers francs, ça c'est malheureusement un élément inquiétant côté Spirou. On est à moins 1 à cause des lancers francs, j'ai envie de dire. Trivković qui a laissé ce ballon à Barrera. Trivković que l'on retrouve. Trivković qui retrouve Jiménez. Il reste 7 secondes pour attaquer. Pas faire de faute à ce moment-là. Fin de shot. Il est passé. Et André Rydik était prêt à contrer. Et c'est grâce à ça que Mallette a pris le ballon. La ligne de fond, elle est libre. Deux points. Oui, les deux points sont accordés. Et avec quatrième la faute. Et faute technique. Oh ben non, la somme sur l'arbitre, c'est pas juste. C'est pas, il donne une faute technique à Jiménez, mais Jiménez n'est pas fâché sur l'arbitrage. Il est fâché sur ses partenaires qui le laissent dans une situation qui peut faire la faute. Et il n'aurait même pas dû siffler cette faute technique, évidemment. Il est fâché sur ses partenaires, voilà. Fâché sur lui-même, mais pas fâché sur la faute qui lui est sifflée par l'arbitre. Mais non. La faute est liée, il n'y a pas de problème. Mais il a fini son match. Hein. Il a fini son match, Jiménez. C'est dommage. Il n'a pas eu l'occasion de jouer beaucoup, hein, finalement. Il est rentré ici en deuxième mi-temps. Ah oui, et il a joué quelques minutes et le voilà déjà sur le banc définitivement. Mais je voudrais rappeler quand même que cet homme a été champion du monde en 2006. Il a gagné la médaille d'argent en 2008. Il a gagné plusieurs fois la médaille d'argent dans les championnats d'Europe avec cette équipe nationale espagnole. C'est un grand joueur de basket. Il fallait bien le souligner, Pierre. C'est franc, marqué cette fois-ci. Et un troisième et une possession de balle. Alors il y a eu deux points plus la faute, les deux lancers francs de la faute technique et la possession de balle. Voilà pourquoi il a sauté trois lancers francs. Mallette qui passe les adversaires, qui trouve de l'autre côté Chris Hill. Chris Hill, dribble difficile ce qu'il a tenté de faire ça. Ah oui, bon travail défensif malgré le travail de Green. Il faut venir aider ce Green parce qu'il y avait son homme qui était coincé. Seul dans la raquette et c'est Broyles qui l'a fait. Voyez comme on a pu rechanger ses hommes entre Green et Broyles. Bon travail. Bernie Rodriguez seul à 3. Oh là 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 là. Et on n'hésite pas, hein, pas un seul moment. Hein. On sort des écrans, on se positionne, un shot à 3 points. Chris Hill. Green. Green qui pénètre. Allez, elle rentre. Allez, un peu de chance, il en faut. Il a un problème au pied, il a son lacet qui est défait, il demande pour qu'on arrête le jeu, l'arbitre continue. Non, on joue, qui dit l'arbitre. On n'arrête pas pour ça. Barrera, 36 secondes. Barrera n'a pas plongé. Il attendait Trivković au ressortir d'un écran. Merveilleux, c'est un 2, mais c'est merveilleux. C'est un travail fantastique qu'ils sont en train d'appliquer. Vraiment, les systèmes de jeu certainement demandés par leur entraîneur, avec les bons écrans et la rapidité avec laquelle les joueurs évoluent également. Ils sortent de l'écran très rapidement, ont un shot, ils le mettent.
27 secondes à jouer et un pressing. 8 secondes pour franchir la ligne médiane. On a fait une prise à deux. Mallette les a, c'est 8 secondes dans la tête. Ouh, la passe de Green était limite. Giovanni Bozzi demande du côté des Spirou de calmer le jeu et d'aller jusqu'au bout des 5 secondes maintenant qui restent. Mais Barrera était plus malin et il conclut. 3 secondes, on ne les jouera même pas. Alors que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que le chrono a couru? Non, c'est pas fini la mi-temps, le troisième quart-temps. On joue une seconde, madame Onofi est sortie, on joue une seconde. Il reste une seconde. Allez, on va rejouer une petite seconde. Un shot désespéré pour Damon Mallette peut-être. Dommage cette perte de balle de Barrera, de Mallette par rapport à Barrera. On est en train de décompter, on va s'arrêter à une seconde. Et tenter un shot de sa raquette, hein. Bien sûr. Voilà. Allez, on va quand même gêner Mallette. Eh ben, ce sera il. Trop tard, hein. Il n'a pas le temps de faire deux dribbles, évidemment. Ah oui, il fallait shooter directement, hein. Voilà, fin du troisième quart-temps sur le score de 56-56. Voilà, gros. Grosse prestation quand même de Malaga dans ce quart-temps. Ils l'ont emporté en marquant 22 points. Les données sont là. Il va falloir limiter l'adversaire certainement sous les 20 points dans le dernier quart-temps si on veut avoir une chance. Non seulement la limiter en dessous des 20 points, mais également nous essayer de marquer. Le Spirou doit avoir une meilleure offensive, une meilleure situation offensive. Giovanni Bozzi l'a dit, il faut alterner les pénétrations à l'intérieur de la raquette et les shots extérieurs. Ils ne l'ont pas fait dans le premier quart-temps, dans le troisième quart-temps, pardon. Il faudra absolument essayer de le faire pour terminer correctement ce match. Je suis aux côtés de Maître Mayence, un homme qu'on a plus l'habitude de voir au barreau, mais vous êtes grand amateur de basket apparemment. Votre avis sur ce troisième quart-temps? Oui, je suis amateur de tous les sports ici à Charleroi et je suis un peu déçu du troisième quart-temps. On a mal commencé, les autres ont particulièrement bien shoté et on s'est un peu précipité à mon avis, mais je crois qu'il faut reprendre le match en main le plus rapidement possible pour essayer de stabiliser les choses et reprendre un petit peu les rebonds et être un peu plus maître dans la raquette. Alors on le voit, hein, vous êtes juste devant le président des Spirou, ça veut dire que vous vivez la même tension que lui? Oui, et puis je trouve que c'est un homme extraordinaire parce que parvenir à avoir quelque chose d'aussi exceptionnel, jouer en Euroleague alors qu'on est une petite ville, je trouve que c'est exceptionnel. Et si on parvenait à sortir et pouvoir jouer les poules en quart de finale, je crois que ce serait quelque chose d'absolument exceptionnel pour la ville et je crois que ce serait un remerciement fabuleux pour tout le travail qui est fait par M. Somme. Merci beaucoup, maître. Oui, mais le chemin est encore long. Le chemin est encore long et il est hasardeux, comme va l'être ce dernier quart-temps. Malaga, une des équipes de renom de cette compétition depuis 10 ans certainement, face au Spirou, qui lui retrouve l'Euroleague depuis 2002. Lacré, Rodriguez. Et ça court dans tous les sens. Rodriguez qui a donné, il cherchait Archibald, il profite maintenant de l'écran, il y a eu un switch. On donne à l'intérieur, bonne interception de Plusil. Et Mallette dans la transition qui enchaîne avec un 3 points merveilleux. Superbe transition, très beau travail au départ de Chris Hill qui prend cette balle, qui se positionne correctement devant le joueur et qui réussit à partir en contre-attaque et à donner une très bonne passe.
Alors c'est Bernie Rodriguez encore une fois qui court, profite de l'écran, enchaîne par un 3 points, ça rentre à nouveau. Ils ont trop de facilité dans le shot, trop de facilité dans l'exécution, mais ils sont rapides. Hein, c'est... Et les écrans sont toujours bons. Exactement. Fois, ouais. Royles qui demande à Hill de venir à l'opposé. Royles main gauche qui retrouve André Redick avec une faute très nette de Bernie Rodriguez. C'est aussi un international espagnol, à Bernie Rodriguez, pendant très très longtemps. Il a lui aussi été champion du monde. Et c'est un homme qui a commencé sa carrière en 99 du côté de Malaga. Il y est toujours. Allez, allez. Eh oui. Monsieur Mallette. Le grand Monsieur Mallette. Grâce à ces shots, on peut recoller, on peut les redépasser et peut-être aussi compter sur Mallette pour c'est juste. Amener l'équipe à la victoire. Deuxième faute. Archibald passe le B. Il est dans la raquette. Et le semi-hook est parfait. Égalisation, 62 partout. Royce en relais, main droite. Archibald empêche la passe vers André Redick. Et Crucille qui passe. Et la balle est contrée. Ça a été accordé. Ça n'a pas été accordé plutôt. Hein. Le contre a été accordé. Rubio. Tripkovic. La passe levée. Les défensives. Rubio qui perd le ballon. La balle est toujours pour les Espagnols. Il reste 8 secondes. Alors, fallait-il accorder ou pas ce ballon? Est-ce qu'il a touché la planche avant le contre? Ou est-ce que c'est le contre qui a amené le ballon sur la planche? C'est la question que l'on va se poser. J'ai l'impression qu'elle touche la planche, très 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 juste. Et donc, logiquement, on aurait dû accorder les deux points. Rubio, face à Guy. Bon travail défensif. La balle. J'ai l'impression qu'un joueur de Charleroi l'a peut-être touché en dessous du filet et l'a fait ressortir. C'est pour ça qu'on vient de l'accorder directement, je crois. Et qu'est-ce qu'on a sifflé à Rubio? Rien du tout, je pense. Non, c'est une erreur. Pas du tout. Allez, André, il n'a pas enchaîné. Oui, secondes. Écran fautif. Ah, les coups de sifflet sont... Il y a un écran fautif d'André Redick pour l'instant. Qui glisse. J'ai l'impression, oui, voilà, il glisse hein, et il lui fait un croche-pied tout simplement. C'est juste, hein, c'est juste. C'est bien sifflé. Changement Malaga. On vient au jeu de Printezis. Printezis au jeu. Il a remplacé qui? Lui, il a remplacé Rubio. Blackney qui retrouve des... Oh là 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 là. Il a une aisance dans le shot. Il la reçoit. Il shot une puissance. Pour la première fois, on est à moins 4. Attention, donc c'est la cote d'alerte, ça. Mallette, la balle a été touchée. Hill de très loin. Ça ne rentre pas. Le Spirou reste à moins 4. Il faut gagner cette défense. On repasse sur Archibald. Archibald qui a patienté. On profite encore de l'écran. Bernie Rodriguez. La balle est gagnée par le Spirou avec deux hommes au sol. Et Green s'est fait mal. Il se relève. Apparemment, il a reçu un coup sur le nez, mais ça a l'air d'aller. Troisième faute. Changement. Timmy timeout. Temps mort. Demandé par le coach Bozzi. Hein. Voilà. D'accord. Eh bien, ça devient difficile. Hein. Ça devient délicat.
mais c'est maintenant qu'il ne faut pas plier, évidemment. Hey, when we bring Daniel, we need remember we can win only without tight shooting. We have to learn today, and believe me, you will have better shots after the pass inside, except you're like you did in transition. Okay? We're still in the game. That often, baseline bounce. We take the time. We run our out of bounds, and we have the desire to feed them before to play. Feed them, and we reach you. After that screen, you know that you step, you go away. When Daniel coming, you know that you flash high to have the high low. All right? Go. Premier mouvement, ils vont jouer leur rentrée et d'abord servir Santiago avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et Giovanni Bozzi insistait aussi sur le fait qu'il faut absolument essayer d'alterner. On ne va pas seulement la gagner le match avec des shots extérieurs, disait-il, mais certainement alterner les shots extérieurs et les passes à l'intérieur. On doit absolument essayer de faire ça ici dans les 6 minutes 26 qui nous restent. Royce, il a hésité. Le semi-hook de Brent Wright. Moins 2. Allez, gagnez la défense. Gagnez cette séquence de 24 secondes. Bonne défense de Broil sur Tripkovic. Maintenant sur Bernie Rodriguez et Joseph Gomis. Tripkovic, le voici au ballon. 6 secondes pour attaquer. Tripkovic qui essaie de partir main gauche. Revient main droite. Bonne défense de Broil. Ballon perdu. Ballon gagné par Broil. Il en fait trop. Il essaie de pénétrer main droite. Il revient. Il réessaie de pénétrer main gauche. Et on a une très bonne défense pour l'instant des Spirou. Ce qui va nous servir, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire jusqu'à la fin du match. Allez, il est à la fois applaudi et sorti par son coach. C'est Sol Blanco qui vient d'arriver. Pour les téléspectateurs très attentifs, il y a quelque chose qui a changé chez Joseph Gomis. Ce sont ses chaussures. Il les avait blanches, elles sont désormais noires. Elles étaient cassées. Réaction, mallette avec une faute. Faute de Bernie Rodriguez. C'est la troisième faute collective. Mais il faut en provoquer des fautes pour essayer d'avoir les lancers francs aussi dans les dernières minutes. Et de nouveau un changement du côté de Malaga. Retour de Barrera. Quelle capacité de changer chaque joueur qui est un peu fatigué. Hop, ou un peu en deçà avec la pression de Freeland sur Santiago. Right. Broyles, 6 secondes pour attaquer. Broyles. Shot. Intéressant. Il est retombé dans le cercle. Égalisation du Spirou. Égalisation à 5 minutes du terme. La main gauche. Freeland seul. Freeland. Ah tiens, il gratte. Oh, bon travail de Broyles qui récupère. On doit jouer à l'intérieur, c'est ça qui donne Giovanni. Right, difficile, la balle a été touchée par Quintesis. Et il dit l'inverse, évidemment. Quinze secondes pour attaquer. Oui, il est seul. Non, il le rate. Ah bah oui, il peut rater aussi à 3 points. Monté avec Barrera. Il est seul, Blanco à 2 points. Rebond long, mais faute d'abord de Printezis. C'est la quatrième faute collective. Ça, c'est intéressant aussi comme donnée. Très intéressant, mais il va falloir, contrairement à ce qu'on a fait en première mi-temps, mettre les lancers francs si on les a, évidemment. Ça va devenir une donnée essentielle maintenant, les lancers francs, évidemment. On trouve Wright face à Printezis.
Un contre un, son petit semi-hook. Non, c'est un shot face au cercle. Giovanni Bozzi a demandé qu'on le serve aussi. Hein, et donc, il joue chaque fois son 1 contre 1. Et pour l'instant, il fait un 2 sur 2 par rapport à ses mouvements. Barrera avec un bon travail défensif de Mallette. Sol Blanco qui avait pris l'avantage. Il repart main gauche. On retrouve Barrera, 8 secondes pour attaquer. Pression sur le joueur. Fila. Oh, l'écran. Ah, oui. Bien sûr. Ah, oui. Fila. Bien sifflé. Là, il est sifflé. Bien sifflé. Mallet s'écrase un peu volontairement aussi sur le défenseur, mais malgré tout, on voit qu'il met l'épaule. Troisième faute pour ce remarquable joueur, Joel Freda. Et le Spirou est sur un 6 à 0, je pense. Hein. Oui, je crois, on a vu les deux mouvements de Wright. Et une pénétration sans doute à l'intérieur de la raquette. Ils sont en plus 2 pour l'instant, 68-66. C'est de bon augure, mais il va falloir continuer à être sérieux, à être concentré et à jouer cette alternance, comme l'a dit Giovanni Bozzi, avec le fait de servir Wright à l'intérieur, éventuellement Santiago également. Et pourquoi pas essayer de réussir un shot ou deux à l'extérieur. On conserve Broyles aux côtés de Gomis et Mallette. Intérieur, Wright et Santiago de l'autre côté. On relance Barrera avec Saul Blanco, Printezis, Bernie Rodriguez et Freeland. Autrement dit, on est quasiment avec les meilleurs des meilleurs de partout. Hein, oui, tout à fait, Pierre. Oui, bien sûr. Gomis qui a trouvé Broyles. Broyles qui pénètre. Broyles qui donne à Santiago. Ouais, 2-1, quatrième point de Freeland. Très bon mouvement, hein, pénétration comme le disait Giovanni tout à l'heure. Et on sert un Santiago, un peu de chance, la balle retombe sur l'anneau. Et puis pénètre cet anneau justement et un lancer franc en bonus. Et si on marquait le lancer franc? Pourquoi pas? Ça nous ferait plus 5 à 3 minutes 36 de la fin. Le voilà. 12e point pour Daniel Santiago. Barrera qui va chercher un écran. Bernie Rodriguez. C'était pas pour cette fois-ci. Sol Blanco en vitesse. Sol Blanco qui passe deux hommes et qui trouve Printezis qui rate le shot et la faute après. Dommage, dommage, dommage que ce rebond n'a pas été capté parce que Printezis avait raté. Et la faute est de Wright. Troisième faute. Troisième faute. Changement Malaga, sortie du numéro 9. Barrera. On redonne le ballon, la distribution en tout cas dans les mains de Blackney. Premier lancer, Printezis. Très joli shot pour cet ancien joueur de l'Olympiakos qui faisait partie de l'équipe nationale grecque au championnat du monde cette année-ci. Ah, par contre, le deuxième est moins bon. 4 points d'écart. Gomis. Right, Santiago, 2-1. Avec la faute de Blanco. Très bon mouvement de nouveau, hein. On alterne, on passe gauche-droite. Et puis on fait un mouvement avec Santiago qui conclut à l'intérieur et qui a une faute supplémentaire sifflée contre lui et avec un lancer franc. Oui, encore important parce que ça peut donner 3 possessions d'avance. On est encore loin de l'arrivée, hein. On est encore loin de l'arrivée. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est pris. Et je rappelle, c'était 62-66, on est à 73-67. 74-67, ça fait un 12-1 réussi. Allez, gagnez cette défense-ci et on commencera à sentir la bonne destination. Voilà, Santiago, un rebond de plus.
fait son meilleur match aujourd'hui, Santiago. Right. Face à Printezis. Là, cette fois-ci, on attaque à deux. Gomis seul. C'est court, c'est dommage. La balle a été repoussée par Santiago. De nouveau. 2 minutes 25. Santiago ne peut pas conclure. Dommage, c'était bien joué. Allez, la défense. Blackney. Printezis seul. Il va prendre en vitesse Santiago. La balle a été gênée, déviée. Le Spirou à moins de 2 minutes de la fin. La passe à l'intérieur. Les deux lancers francs pour M. Wright. Il faudra se concentrer, M. Wright. Il faudra se concentrer. Et le coach va sortir Daniel Santiago parce que il est un peu loin. Temps mort demandé par Eto Garcia Reneses. Et le public ici est déchaîné. Très bien, super. Et il supporte son équipe. C'est une très bonne chose. Il sent bien hein, que le Spirou est capable de rééditer ce qu'ils ont fait la semaine dernière contre le Real Madrid. À plus 7 pour l'instant, 74-67, 1 minute 54, avec un très bon Santiago, il faut le souligner, une évaluation de 20, qui a aidé son équipe vraiment à continuer, à progresser vers la victoire, que l'on espère tous évidemment. Mais 2 minutes c'est long Marc. Hein. C'est très long et Malaga est capable de forcer ce match, de forcer cette victoire. On les a vus, ils savent faire des très beaux mouvements, très bons écrans, libérer les shooters comme il faut. Malheureusement, pour l'instant, ils ratent un peu, mais tant mieux pour nous. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, ils ne vont plus pouvoir laisser courir le chrono. Ils vont quand même devoir aller... Ils devront y aller, absolument. Maintenant, c'est absolument le... Ils vont devoir revenir d'abord dans le match avant de... Tout à fait, le chrono joue, il faut absolument y aller et passer d'abord le cap, justement, de recoller au score et puis de passer éventuellement au-dessus. Mais les Spirou vont tout faire pour défendre correctement. André Rinic est au jeu, mais surtout Brent Wright est à la ligne des lancers francs. Il est à 2 sur 4, Brent Wright. Allez, c'est maintenant. Hein. Ah, on aurait bien aimé l'avoir, mais bon. Occasion manquée, 74-67, voilà la donnée, 1-50. Rubio, deuxième écran, fin de shot, le shot est parti très loin, le rebond il faut le gagner André. Malheureusement. Gagné. Nouvelle possession de balle pour... Alors, il est sur la chaise. Est-ce que Santiago est sur la chaise d'arbitre? Sur la chaise de changement. Oui, oui. L'arbitre lui demande de changer, évidemment. Il y était. Il y était, mais on ne demandait pas le changement. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'il a demandé le changement? Directo Garcia Reneses, qui vient jouer de l'autre côté. On se reconcentre sur le match. 94 secondes de jeu, 7 points d'écart. 3 fautes pour le Spirou qui peut encore en donner une donc. Bernie Rodriguez en vitesse, pénètre, va jusqu'au bout, ne marque pas. La récupération pour Dwayne Broyles. Qu'est-ce qu'on fait du côté espagnol? Pas de faute encore. Dwayne Broyles qui a bien monté son ballon, qui trouve son distributeur, Mallette. Et le chrono qui peut courir. Damon Mallette qui va jusqu'au bout. Et on l'a vu avec un très bel écran de Wright qui le laissait le champ libre, lui laissait le champ libre pour aller à l'anneau. Donc très bon mouvement de collectif de la part du Spirou. La création main gauche, on sort pour Rubio. Rubio à 3, ça rentre. Dernière minute, on fait ses comptes, 6 points d'écart. C'est pas fini, hein. loin de là. Loin de là, hein. 2 shots à 3 points. Rubio qui n'est pas nécessairement le shooter vient d'en mettre un. Donc c'est bien la preuve que Malaga sait tout faire. Hein. Allez, Hamilton. On préfère continuer de garder le ballon. Mallette. Ah, si on peut faire une faute, il vaut mieux qu'on la fasse sur Mallette. 45 secondes. Gomis.
Ouh, que c'est difficile. Mallette à 3, ça ne peut pas rentrer. Et Bernie Rodriguez, vieux routier, a écarté Broyles. 32 secondes. Pas de faute sur un shot à 3 points, évidemment. Non, non, création. La faute sur la pénétration de Saul Blanco. Il va avoir deux lancers francs. Il reste 27 secondes. Ils vont commencer à devoir faire des fautes, nos amis espagnols. Oui, et très rapidement. Hein. Ici, ils ont deux lancers francs. Imaginons qu'ils les mettent. 76-72. Il reste 4 points à récupérer. Et en voilà un, en tout cas. Et puis, 27 secondes. 24 secondes de possession de balle, mais ils ne laisseront pas les Spirou aller jusque-là. Voilà qui est fait. Allez, cherchez ce ballon. On trouve Brent Wright. Wright, faute. C'est logique, elle n'a pas été sifflée. Ballon à l'intérieur. On l'a sifflé d'abord. Oui, coup de sifflet. Maintenant, on aurait déjà pu la siffler sur Wright, ce qui n'aurait pas été nécessairement la meilleure des choses. Tout à fait. Qui est-ce qui va shooter? C'est Broyles qui va se retrouver à la ligne des lancers francs. Messieurs les Spirou, c'est au lancer franc que vous gagnerez ou que vous périrez, entre guillemets. Et Tony Bozzi vient de changer Wright et de réintroduire André Rydik pour la fin du match. Et notamment pour la défense, hein, j'imagine. Bien sûr. Cinq points d'écart, 77-72. 20 secondes, 21, on va dire. Allez, mettre celui-ci d'abord. C'est bien. Si on fait une faute, maintenant on envoie la ligne. André Rydik qui fait une faute stupide. C'est dommage. C'est dommage parce qu'à 14 secondes de la fin, ça donne deux lancers. Alors qu'il n'était pas en position de shot en tout cas. Il était en très grande difficulté en effet. Hein. Malgré tout, André est allé mettre la main et dommage. C'est dommage aussi. Allez. Les revoici à moins 5. Ne pas perdre la balle sur la rentrée. Et à moins 4, il y a toujours deux possessions. Mais on a déjà vu des retournements de situation. Si on ne sait pas ça, évidemment, oui. Croisé en dessous de la planche. C'était une prise de risque. Hamilton qui va faire la rentrée cette fois-ci. Royce, Mallette. Et Mallette attend très bien pour avoir des lancers francs. Moins de 10 secondes à jouer. On l'a dit, hein, c'est à la ligne que ça va se jouer. 13 sur 23 d'un côté, 13 sur 17 de l'autre. Pourcentage légèrement corrigé ici en deuxième mi-temps par le Spirou, mais malgré tout encore faible, hein, 57% au lancer franc. Mais espérons que Mallette en tout cas va nous contredire. Oh, il n'en avait pas encore raté. Tension est un maximum dans cette salle. Allez, c'est le suivant qui est important. C'est le suivant. Cinq points d'avance et un ballon quasi perdu. On trouve Blanco. Blanco à 3. C'est difficile, ça ne rentre pas. Le rebond, il est pour les Espagnols une fois, mais pas deux fois. Si, c'est fini. C'est fini, le Spirou passe. Superbe victoire. All right, et sur la table de marque, debout. Ah, ils sont contents, les Spirou, bravo! Très belle victoire des Spirou ce soir, ils se sont battus jusqu'au bout. Giovanni Bozzi l'avait demandé, il fallait alterner, ils l'ont fait en deuxième mi-temps, ils l'ont fait correctement, avec une très bonne pression défensive, et la victoire au bout du compte. Félicitations, les Spirou. Oui, parce qu'ils ont eu affaire à une équipe espagnole de bon niveau. Le Real Madrid avait déçu, on ne peut pas dire la même chose du côté de Malaga. C'est tout. Jacques Stas, vous étiez le seul à croire encore en les chances de Charleroi lorsqu'il y avait 4 défaites d'affilée. Ben, ce match vous donne raison. Oui, c'est un pas de plus vers ce que je pense. Ça veut dire une équipe qui est compétitive en Euroleague et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. 2 victoires à domicile. On sait que la semaine prochaine, on va à Rome. À nous de faire un pas supplémentaire dès la semaine prochaine parce que je crois que vraiment il y a un coup à jouer. Alors on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est quoi ce changement ?
Ben, c'est la remise en forme de Santiago, hein, qu'on commence tout doucement à revoir à un niveau acceptable. C'est aussi le fait de digérer notre qualification. On croyait qu'on pourrait continuer facilement sur la lancée de la qualification. Il fallait se remettre un petit peu en question, faire un pas supplémentaire et surtout ne pas avoir de trous. Aujourd'hui, on a de moins en moins de trous dans les matchs, ce qui fait qu'on est de plus en plus près d'un bon résultat. Alors il n'y a plus de trous, mais il n'y a plus beaucoup de moments où on précipite non plus. Et voilà exactement, je crois que les paires de balles sont là. Trois paires de balles en première mi-temps, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup en deuxième mi-temps. C'est ce qui fait la différence au haut niveau. Sans paires de balles, je crois qu'on peut arriver à des bons résultats. Merci Jacques. Alors on a à nos côtés Daniel Santiago. Congratulations Daniel. Thank you. We meet you for the first time after your first game. It was a defeat, now it's a win. What's the change? I think it's just more time with my teammates, you know. It's a difficult process when you come into a situation like this and you try to be professional about it, and some games it works, sometimes it doesn't, but tonight was a very big game for us and I'm very happy that we could get the win. Does it mean that you feel comfortable now in this team? You know, I feel comfortable just about everywhere I go, so, you know, I just try to do the best I can to help the team win. You know, defense, offense, whatever it is, you know, some nights I have big numbers, some nights I don't. The most important thing for me is the teamwork and the victory. I guess you wanted to win today also because your family is here. You know, my family's here, that's always great. And, you know, my old team is Malaga, one of the first teams I played, started out with here in Europe. And, you know, it's always good to be able to play against your old team. But it was more important to play against our home fans and to get this big win, which we really, really needed. You need it, but it means that no, you still can qualify. That's right. That was our goal tonight, and we have to keep building on this. And who knows? Maybe we can do it. And if the team qualify, will you stay here? I hope so. We'll have to see when that happens. But right now, my main focus is to get us to qualify. Thank you, Daniel. Merci. Eh ben, c'est un grand professionnel. Hein, d'abord, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter en un laps de temps court dans chacune des équipes. On remarque que ce n'est pas facile quand même de s'adapter à des jeux différents, des mentalités, des façons de vivre qui sont différentes. Ça doit être difficile, non? Bien sûr, c'est jamais difficile de s'adapter. Malgré tout, il le fait très très bien. Sa famille est arrivée maintenant. C'est vrai que c'est important pour le mental d'avoir sa famille derrière soi. Elle était là. Il a montré aujourd'hui un très grand match, non seulement à sa famille, mais aussi, comme il le disait très bien, à tous ses fans ici à Charleroi. Et le temps d'adaptation, ben oui, c'est vrai qu'il essaye parfois d'avoir des chiffres importants et parfois pas. Est-ce qu'on entend Giovanni? Si on l'entend, on l'écoute. I would like just insist. We'll have time to speak about that, but just insist on one point, Anthony. We won today because to the important moment when maybe we were in trouble a little, we execute correctly and we smart because we found what we have to find. That means the inside game to the right moment with that relation on pick and roll with five men diving. We find Daniel, we find Brandt inside, and we make that step with the great defense, no turnover against the press. Very good job, but it's a new step, but it's not finished. You and me and the staff, we know where we want to go. Huh? We know that. The other team of the group, they don't know. But us, we know. Now, please, we have something to do in championship now. You know that. Because first, we forget EuroLeague until next Tuesday. And before that, we think about the championship Saturday in Ghent. All right? And after, we'll speak about the cup. Hey, I forgot now, Thanksgiving, what we have to say. Happy Thanksgiving. All right, let's go. Voilà le speech de Giovanni. Bon, on devra se concentrer sur le championnat, mais au départ, il a confirmé qu'ils ont des ambitions. Hein. On sait, nous, ce que l'on veut faire dans cette Euroleague, c'est certainement d'aller au stade suivant. On retiendra aussi, c'était le début de son intervention, nous avons gagné parce que nous avons bien exécuté, nous avons fait ce qu'il fallait au moment essentiel. On se rappellera 62-66 à un moment donné, et puis on fait un 12-1 et finalement on s'impose 79-74 si j'ai gardé
la mémoire des chiffres. Tout à fait. Tout voilà, à fait. Bozzi, ben on l'écoute en français peut-être ou en anglais. C'est comme vous voulez, mon cher Stéphane. Ah ben on va faire ça en français, hein, je pense. Giovanni, ben, quelques commentaires que vous avez adressés à vos joueurs, on l'a entendu. Ben, en français, votre analyse de match, est-ce qui vous fait plaisir aujourd'hui? Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a fait une bonne première mi-temps. Il y avait des règles. On voulait donner un minimum de rebonds offensifs à l'adversaire. Ça a été le cas en première mi-temps. On voulait perdre un minimum de ballons pour ne pas leur donner des paniers faciles. Donc obliger cette équipe à jouer demi-terrain. Et je crois que ça a été réussi. Puis ils ont eu un bon pourcentage. Le petit regret de la première mi-temps, c'est juste un pourcentage au lancer franc un peu déficient. Et puis en deuxième mi-temps, on a été un peu plus en difficulté. On a été bousculé. Et peut-être qu'en début de cette campagne d'Euroleague, on aurait baissé peut-être pavillon. Et là, on a commencé, on a su trouver certaines ressources, défensives d'abord, mais surtout offensives, où on a eu l'intelligence de changer un peu notre jeu, d'aller chercher le jeu intérieur. Je pense là à Daniel Santiago, je pense à Brent Wright. Et on a vu qu'on avait d'autres ressources. Parce que bon, quand on est un peu en difficulté, surtout en fin de match, vous savez que la fatigue se met en place, surtout dans ce genre de match, eh ben, c'est plus facile de marquer un shot dans la raquette que de marquer un shot à trois points, tout simplement. Et je crois que ça, c'est ma grosse satisfaction aujourd'hui, c'est qu'on a vu un groupe avec des joueurs qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir sur ce plan-là. Daniel Santiago, je pense aussi à Dwayne Brose qui a fait pour moi un gros match en deuxième mi-temps au niveau de ses pénétrations, au niveau d'aller chercher l'homme libre. Et ça fait plaisir parce que ça prouve que cette équipe, c'est une vraie, vraie équipe où on peut trouver à tout moment, pour le moment, des joueurs qui peuvent faire la différence. Alors vous l'aviez dit au début de cette campagne, hein, l'une des clés de la réussite, ce sera la capacité de l'équipe à progresser au cours de la campagne. Ben, elle démontre qu'elle progresse, qu'elle mûrit. Ben voilà, oui, c'est sûr. Je dis surtout quand je vois comment on a changé notre manière de jouer, notre manière d'attaquer à un moment donné quand on était dans la difficulté, on a su aller trouver ce jeu intérieur. Donc pour moi, ça c'est le gros point positif. Bon, ben maintenant, il reste encore 4 matchs pour progresser encore un peu parce que vous savez que l'appétit vient en mangeant. On vient aujourd'hui de faire en américain, un new step, hein, un nouveau pas. Bon, mais il faudra encore en gagner si on veut avoir une chance. Mais aujourd'hui, on a montré en plus au niveau de l'approche mentale. Ça, c'est peut-être un autre débat auquel il faut assister, c'est qu'aujourd'hui, mentalement, le groupe il a passé un cap. Parce qu'aujourd'hui, il y avait la pression. On savait qu'on était, grâce à la victoire contre Madrid, on était toujours en vie. Mais pour rester en vie, il fallait absolument gagner aujourd'hui, pour avoir vraiment une chance de qualification. Et aujourd'hui, on a confirmé qu'on avait envie de rester en vie. Donc, mentalement, on a passé un cap également. Et puis, vous l'avez souligné dans votre briefing aussi, la difficulté pour cette équipe, c'est de passer sans cesse d'une compétition à une autre, d'un niveau à un autre. Et ben, le championnat se reprofile. Mais voilà, ça va se reprofiler samedi contre une équipe de Gand qui est toujours quand même difficile à manier à domicile. Donc, à nous de se servir de certaines leçons. Vous savez, je dis toujours, quand on doit jouer l'Euroleague comme ça, le championnat, la Coupe de Belgique, inévitablement, on va avoir de temps en temps des hauts et des bas. Il faut comprendre, ça, c'est humain. Mais quand on a des bas et qu'on perd un match comme on a perdu, j'espère qu'il y aura une décision favorable samedi, mais comme on a perdu dimanche, parce que mentalement, notre approche n'était pas bonne, eh bien, on doit se servir de ces leçons-là pour corriger le tir, pour ne pas que ça arrive trop souvent malgré tout. En sachant que désormais tout le monde vous attend et de manière très virile en championnat. Mais voilà, je crois qu'on a vu Anvers a joué comme il devait. Donc c'est-à-dire la seule solution, c'est d'être très très agressif en espérant qu'il y ait des référés qui ne sifflent pas trop et alors qu'on perde peut-être le contrôle de nous, vu que nous on n'a peut-être pas la bonne agressivité. Parce qu'il faut bien dire aussi, quand on doit avoir une dépense d'énergie comme celle-là et 48 heures après on doit être sur le terrain à Gand, c'est là qu'il va être important d'avoir un bon fourni et de pouvoir compter sur tout le monde. Merci Giovanni. Voilà, on va revoir quelques images et puis on aura peut-être encore l'occasion de discourir sur ce très beau succès du Spirou. Les images de cette deuxième période avec, et c'est logique, des images qui vont montrer que cette équipe de l'Unicaja Malaga, elle peut être redoutable. Elle l'a été, notamment dans le troisième quart-temps. Oui, hein, on voit les phases ici, les shots à 3 points de début de deuxième mi-temps nous ont fait vraiment mal. Même chose dans le début du quatrième quart-temps, pardon. Ils étaient de nouveau là présents en shot et à un moment, Spirou a mieux joué, s'est mieux défendu et a réussi à alterner justement, comme tu disais, Giovanni Bozzi, intérieur et extérieur. Ça, c'était la toute fin du troisième quart-temps quand Damon Mallett perd un ballon. Damon Mallett qui a eu un troisième quart-temps difficile, 3 fautes en un rien de temps et puis cette perte de balle tout à la fin, mais qui va
à nouveau dans le quatrième alors que l'équipe est à moins 4. Il va nous mettre 2-3 points qui vont relancer totalement son équipe. Et il est un des pions majeurs de ce succès aujourd'hui. J'ai envie de dire que c'est quand même les hommes d'expérience qui ont amené quelque chose d'important aujourd'hui. C'est très clair, hein. Giovanni Bozzi ne l'a pas nécessairement oublié non plus quand il parlait des deux joueurs qui avaient apporté la victoire, Santiago et Wright peut-être, et Broyce éventuellement aussi, comme il disait. Mais il y avait aussi Mallette. Hein. Mallette est allé mettre ici, comme on le voit, quelques paniers, quelques shots à 3 points. Et il a aussi l'occasion d'avoir, au travers de ce match, une évaluation de 24, ce qui est vraiment très très bon. Voilà. Lui et Santiago, 15 points, 7 rebonds et 20 d'évaluation. Qu'est-ce qu'elles nous disent les statistiques? D'abord, le tout petit nombre de pertes de balles. C'est peut-être l'élément essentiel que j'ai envie de sortir. Moi, vous en avez peut-être un autre, hein, Daniel? Non. Je vous dis Daniel maintenant. Marc. Ça arrive. Non, bien sûr, on l'a souligné de nouveau, hein, s'il perd de balles. Donc évidemment, on ne leur a pas donné plus de balles qu'il n'en demandait. Ça, c'était aussi la solution pour gagner ce match. Et on a eu un pourcentage qui était mauvais en première mi-temps pour les lancers francs. C'est redevenu meilleur en seconde. Et puis, bon, l'ensemble a été vraiment très positif avec cette victoire au bout du compte. On va bientôt conclure. On annonce que la Roma a été gagnée d'un point à Bros Basket, 67-68. J'ai envie, alors qu'on n'a pas encore le résultat final, mais Madrid mène d'une dizaine de points après 34-35 minutes face à l'Olympiakos. J'ai envie de revenir encore sur ce que Giovanni disait. On a passé un cap au niveau mental. J'ai envie de dire que de plus en plus dans le sport, c'est le mental qui pilote complètement les performances. Bien sûr, et comme il l'a très bien dit, la victoire de la semaine dernière contre le Real Madrid ne servait strictement à rien si, au bout du compte, ce match contre Malaga n'était pas positif aussi. Et il est vrai que maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont là, et still alive, comme il dit, ils vivent encore. Et donc, bien, ça nous annonce encore des très bonnes rencontres sur BTV. C'est important pour le Spirou, c'est important pour le basket belge. Oui, c'est important parce qu'on doit montrer que nous sommes là et pour l'évaluation des rencontres européennes, c'est très important que le Spirou Charleroi évolue correctement, même plus, dans cette Euroleague. Allez, on voit les rendez-vous de BTV au niveau du basket. Vous savez que BTV, c'est la chaîne du basket en Belgique. On va suivre les Lakers à deux reprises en déplacement du côté de Utah, où que c'est difficile là-bas d'aller gagner, et du côté de Memphis, où il y aura un duel de brothers, hein, c'est Gasol-Gasol. Du côté de Memphis et les Lakers, bien sûr, vous retrouvez Renaud de Trix sur Give Me 5 en clair le samedi à 12h50. Quant au prochain match Euroleague, eh bien, ce sera justement la Lottomatica Roma qui accueillera le Spirou. Ce sera jeudi sur Bsport 1 et c'est une équipe qui va pourtant falloir aller battre chez elle, hein, si on veut véritablement se retrouver dans le top 4 de cette Euroleague. On s'est bien amusé, Marc? Très très bien, très bonne ambiance ici à Charleroi, mais comme d'habitude, hein, mais ils sont pas seulement là quand ils gagnent, ils sont là tout le match, et je crois qu'il faut aussi féliciter les supporters ce soir ici au Spirou Dome. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe et à très très bientôt, au revoir. Au revoir. Turkish Airlines Europe. I feel devotion.